Qui? Démarrons le direct. Bonjour les gens. Démarrons. J'ai envie de tuer des gens. Bonjour. Bonjour. Bonjour tout seul. Bonjour tout le monde. Je plaisante. Je plaisante. Pas avoir de problème. Super. Jouer au jeu du trône. Les plus frais du monde. Canard WC. Super. Jouer au jeu du trône. Les plus frais du monde. Oula. Le jour où t'as des chiottes dans cet état, t'as intérêt à te poser des questions. J'ai baissé. Encore une victoire de canard. Pitié. Je fais moi, ça commence mal. Ou ça commence bien, je sais pas. Écho. Écho de qui? C'est pas moi, non, je vous écoute. Non, mais comme j'ai deux streams en même temps qui sont allumés, j'entendais en triple. Waouh. Oh le fou. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Alors, soyez pas surpris. Hein. Moi, je suis un peu éteint. Je mets pas la webcam. On va dire que je manque de sommeil. Et c'est vrai d'ailleurs, parce que avec des tirs de mortier à la noix toute la nuit dans mon quartier, je vous dis pas comment j'ai dormi en pointillé, l'horreur. Oui, pas de bagnole, lui. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je peux effectivement me vanter de pas avoir eu de dérapage ou de coup de klaxon. Encore que j'en suis pas si sûr, les klaxons. J'ai un doute. J'ai tapé la commande GT, on la voit pas? Oui, c'est peut-être cassé. Wisebot est sûrement cassé. Oh, ok. Ça arrive. Attends, est-ce que la bataille fonctionne? Il est joué aux cartes contre le robot. Ah non, les jeux de cartes fonctionnent. C'est bizarre. Ouah, il me met la pâtée en ce moment, Wisebot. Il tire de meilleures cartes que moi. Ouais, ah, je veux pas. Ah, ça marche pas pour moi la bataille, ça marche que pour l'administrateur. Okay. Oui, mais là c'est normal parce que je l'ai fait dans la minute et c'est toujours la même règle et la même logique. Si vous mettez à 50 dans la même minute à vouloir jouer aux cartes avec le robot, je dis non. Je dis un joueur par minute. Sinon, vous imaginez le dégueulis dans le chat de résultats de jeux de cartes, ça deviendrait illisible. Pour être spam. Exactement. Bon. Yoni a découvert une nouvelle commande secrète. On attend votre invitation, chef. T'imagines le streamer qui fait des trolleries comme ça, qui quand tu tapes spam, ça met plein de caractères, un pavé de plein de caractères incompréhensibles. Bah tu peux faire peuple. Point d'exclamation peuple. Moi j'ai mis tous les visages de Twitch en ligne. C'était une des premières commandes que j'avais faites pour tester en fait la robustesse de la gestion des images dans le chat en instantané. Ah, ça marche. Ah, alors, j'ai pas d'invite du jeu. Ah si, voilà. Ouais, attends, j'ai pas le temps, je les lance, les invites. Je vois le temps de la veiller quand même. Alors, est-ce qu'il y a l'écho? Ah oui, il y a l'écho. Ah oh, zut, bon, je parle plus. J'ai même pas entendu la notice. Écho. Oh, je suis. T'as fini Rigdis? Écho, pas écho, ah, écho. Écho. Je vois mon propre écho, c'est rigolo. D'habitude, je voyais pas. Mm-hmm. Chut, je me tais. Chut. Nous attendons le sage. Le sage, ça charge, t'attendons. Ça charge. Ah, d'accord, le PC démarre. Mmh. Okay. Il a pas encore lancé le jeu. Non, effectivement, il n'avait pas lancé le jeu quand je l'ai invité. Ah. Arzo. Bon, alors, programme de la matinée, se faire la troisième arène. Oh pitié, non. Oh là 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 là. Puis continuer le. Je suis pas en forme, je peux pas scorer. on veut de l'XP dans l'arène. Y'a pas d'XP, c'est nul. Y'a une case à cocher pour avoir d'XP. Non, par contre, les ennemis sont deux fois plus robustes. Non, c'est faux, en fait, j'ai dit n'importe quoi. Mania. Bonjour. Merci. Oui, j'espère que tu vas bien. Moi, je suis fatigué, mais. Je pense reprendre du poil de la bête au fur et à mesure de la journée. Mais merci du passage en sous-marin, Balivania.
Bon week-end. Donc il y en a deux qu'il faut qu'ils mettent prêts, qu'on puisse lancer pour enlever cet écho. Ne l'ont pas les nommés. Les nains chiens. Ouais. Toujours les deux mêmes. Ah bah j'attends patiemment. Il veut se débarrasser du nord-est. Ça vous aussi, je me suis réveillé il n'y a pas longtemps. Ah bah si c'est réveil douceur, tant mieux, Balivania. Allez, écho, le dauphin. Mais pas 50 Hz, mais n'importe quoi. Pourquoi il y a 50 Hz ? Écho, écho. Ouais, mais hey, les gars, on vient de lancer, vous êtes déjà dans les inventaires, là. Douceur si l'on veut, lol. Oui. Ouais. Mais non, je règle l'écho, là, Seb. Ah ouais, c'est vrai, j'avais oublié ce détail. Bah oui. Pourquoi le sage est pas avec nous ? Parce qu'il charge. Non, t'es en écho, Moi aussi ? Encore ? Non, toi non. Si Seb, oui. Est-ce que là, je peux sauter ? Non, ça va me coûter du fric. Fais-toi plaisir. Bon, si je parle d'un plaisir. Avant d'aller à l'arène, est-ce qu'on pourrait faire un petit tour sur les 2-3 Non. Merci, Balivania. Bisous, bon week-end. Ah, il y a un passage ici, ok. Non, il y a une vitre. Non, c'est fermé. Il y a une vitre. Pourquoi ils ont mis une vitre ? Est-ce qu'on peut passer une fois que tu l'as pété ? Non, c'est des vitres indestructibles. J'ai un chargement qui dure 3 ans, c'est quoi le délire? J'espère qu'il va pas me faire le caca nerveux comme la banque la dernière fois où ça a craché. Parce que j'ai quand même, souvenez-vous, procédé à la vérification de l'intégrité des fichiers du jeu, il me disait qu'il n'y avait pas de problème alors. Ouais. Là je sais pas pourquoi, j'ai l'impression d'avoir un chargement buggé. C'est quoi, je cherche un truc, c'était... Pourquoi je suis en 50 Hz? Bon, c'est pas grave. Il vous dérange pas, mon chat, parce qu'il gueule là. On l'entend à peine, t'en fais pas. Moi je l'entends pas alors. Pareil, ouais, j'entends. Alors, comme ça. Je pense que je dois être sourd. C'est pas bon de dire. Non, en fait, c'est le sage qui entend pas le chat de Nayone, mais un chat qui est dehors, près de chez lui. Alors tu rigoles en disant ça, mais en ce moment de nuit, j'avais cru que c'était un chien au début, mais je finis par me dire si j'entends pas de nuit un renard qui fait le cri d'accouplement en fait en pleine nuit. Et comme je dors avec la fenêtre nord ouverte, volet fermé pour respirer de nuit, un peu de fraîcheur, bah du coup j'ai le son, j'ai plus mon double vitrage, donc. Fais gaffe parce qu'il vient pas dans ton lit un soir. Non, il pourra pas, j'ai la chance d'être au deuxième étage, mais je l'entends. Bon, bien. C'est bon, t'as trouvé ton marchand Bonjour, Yo. Non, mais. Bah, non, en fait c'est TP, parce que je voulais aller voir le marchand Jacobs. Yop, cousin. Non, mais mon. Craché, là, on peut, hein. Je suis désolé, du coup, je me dis. Je comprends pas, là. Oui, parce que je pensais que le sage arriverait. Bah, moi, je sais pas, j'ai mon jeu qui s'est pris des pieds dans le tapis et. Ah ouais, il a pas l'air de vouloir s'allumer le jeu là. Oh, j'ai oublié de vérifier les fichiers. Non mais je vais relancer moi. Pardon. Là je comprends pas la merde qu'il vient de me faire le jeu. On va attendre gentiment que... Alors, est-ce que je peux rejouer la même invitation? Enfin, j'ai déjà relancé en le jeu. En plus, normalement, on a un chemin direct, donc pas de mob, donc pas de... Ouais, pas gagné. Et voilà. Je vais relancer le jeu. Alors, je suis désolé des incidents techniques. Ah, mais. Qu'est-ce que je suis passé par là, moi. Je vais aller dans l'arène, moi, ça défoule. Bah, on fait l'arène sans le sage. Oh non, on va tous perdre s'il vient pas. Tu sais que je me suis quand même posé la question dans la semaine si j'allais pas faire l'arène dans mon coin pour le faire passer, parce que comme on a rien à y gagner. Ouais. Non, mais sans déconner, parce qu'en fait, ça me saoule tellement ce truc-là que. Je préfère me faire violence en une traite. Mais bon, je l'ai pas, évidemment. Il reste la dernière arène. Après, on verra si on veut se les faire en off, on pourra se les faire en off. Mais on aura vu chaque arène, en fait, en stream, et comme ça sera...
Alors, voilà. Si petit 7, tu peux me renvoyer encore une invite, s'il te plaît, merci. Je suis passé par une zone non protégée. 71, il fait le fusil là. Oh la vache! Le gros combien fusil. Ton sniper, petit Seb? 629. Il y en a un 771 là. Niveau 40. Ah, on est pas tête. Ah, si, on est niveau 40. Sur ma position. Yep, donc le chasseur. Pardon. La tienne. Ouais, c'est de la merde là. La machine Jacob, c'est que de la merde. Là. Bon, par contre, cadence de tir 3. On va pas s'attendre à. Ah, DJ Psycho, il est là, je le vois. Ah, il a réussi à charger, ouais! Parce que toi, t'en as un meilleur aussi? Non, moi il fait moins de dégâts, mais cette cadence de tir me plaît pas vraiment. C'est je vais le tester. Ah. Voilà, le militaire est parmi nous. Ouais, moi ça militaire va pas changer dehors. Grand chose, j'étais à 0,4. Ah ouais, donc effectivement, autant en prendre un qui te donne plus de 200 ou 300 points de dégâts supplémentaires. Ça va compenser. Ouais, j'ai 150 dégâts supplémentaires de plus là. De la merde. A... Yop cousin, pardon, je sais même plus si j'ai dit bonjour à mon cousin. Oh là là, rien ne va plus. Je dors debout, ah. C'est scandaleux. Bon. Je retourne au TP pendant que le sage arrive. Vivi. Mickey. Ah, il y a des containers qui n'ont pas été ouverts. C'est normal, on vient de se lancer. Yes! Par où la fête? Il est passé par où, petit? Pourquoi ça souffle plus? Putain! Mais il n'y a pas de fête! On se casse d'ici, on va à l'arène. Ici, on a fait toutes les quêtes. Et je sais pas pourquoi. La porte s'ouvre plus. Voilà. Faut refaire l'émission une par une. Oh, c'est la porte raccourci, hein. C'est pas vrai. On a claptrap avec nous. Ouais. Le clap sage. Ouais. Coucou. Ah, bonjour Twinsen. Bonjour Twinsen. Bonjour Twinsen Twitch. Hier c'était plaisant de rebrancher le volant quand même. Ah oui, et puis merci pour m'indiquer comment mettre le. Mais tu as monté, espèce de crétin de personnage. C'est chiant. Le volume retour force, oui. Bah, du coup, t'en penses quoi? C'est pas trop mal, non? Ouais, c'est pas trop mal. Mais j'ai l'impression. En fait, voilà, faut le régler comme toi tu le ressens, mais. Je trouve que c'est un petit truc. Allez, tout le monde sort des inventaires, des machins qui puissent TP. Mais ils sont où, c'est con. J'arrive. Hein. Je fonce. On fonce. Ah bah trop tard. Je fonce. Ah, oh, c'est effet zoom inutile et mal synchronisé. Bon, c'est parti pour faire l'arène. Arena. Ah, il y a les kit d'optimisation de la banque. Dans le. Ah, bah avant, on va le faire ça. Le gendarme de Marcus. Donc, j'ai mon fusil lance-roquette. Ouais, mais la banque, on l'utilise pas alors. Oui, on vend tout ce qu'on achète, de toute façon on garde que les 4 armes qu'on a besoin. Moi j'ai du pognon. De la tounache. 1 million 4, ok. Brick ce shit. J'aime bien parce que t'en as deux pour... Pourquoi même les attaques pour 30 et pour 33 emplacements, en fait si tu prends le 33, c'est directement bon. T'as pas besoin de l'autre. D'accord, donc je suis vraiment le seul crétin qui ait payé les deux. Hein? Ah non, moi j'en paye aucun. Je suis fait douiller. C'est grave, t'es riche, t'es encore riche, t'inquiète, tu vas encore accumuler des richesses. Pardon, j'étais dans le chez le marchand. Dans le toussement. Et où le troisième? Là-bas. Comment t'es installé dans la jambe dans la barrière, petit Seb? Ah,
J'ai ça dans la... Je suis pas répliqué de... Julie ? Ah, super, Gilly. On peut voir la télé. Gilly, Gilly. Allez. Ouh, téléportation. Ah, il y a pas l'effet Gerboutron, c'est bien. On va se mettre au centre, là, ça va être bien. Super spot. Attention, les ennemis vont débarquer. Préparez vos armes. Préparez vos inventaires. Non, c'est pas Minecraft. Tous agglutinés au même centre, dans les mêmes mètres carrés. Skag. Ouais, bah on est à Skag Gully. Ferme l'éclair. C'est un éclair. Je sais pas si mon arme est bonne, mais je vais essayer de vous en servir quand même. Mon mob, connard. Oh, les gros mots fusent. Les mots sont violents, mais les mots sont là. Putain, je me garde un mob dans un coin, faut qu'il vienne me le tuer. Bon, bah, démerde-toi tout seul, Nash. Oh, et la rivalité de la coop. Mon dieu, ça a déjà commencé. Tout le monde va se la jouer perso. C'est quoi ce truc? C'est des munitions, peut-être. Oh, des points de TP. Des points de TP? Eh B. Ah oui. Je vais essayer. Ah ouais, c'est cool. C'est cool. Est-ce que les mobs peuvent les prendre? Qui c'est qui me tire dessus? Il me tire dessus. Attends, vite, je me planque. Oh, je me suis planqué juste à temps. Le fumier de chacal. Restez. La chamane est déjà par terre, je fonce. Non, non, je suis debout. Toujours debout. Assurez-vous. Mais pas pour ouais, longtemps. Justement, ça m'inquiète, ça. Allez, viens. Allez, viens voir ton vrai père et qu'est-ce qui te fait ton vrai fils. Allez, vas-y. Prends ta petite tête, là. Voilà, merci. Lance sa face. Je vais prendre un gros fusil et je vais leur envoyer des munitions. Je pète le feu. Vous voulez du feu? Référence StarCraft. Saké. Santé, santé. Ah, ouais, du saké, c'est avec ça qu'il se soigne le sage. J'ai compris ça. Ouais, saké, santé, on est pas loin. Hein. Ah, bah moi j'ai un cas, j'ai bien compris santé. Hein. Ah, c'est histoire de semer le doute. Oh, c'est toi qui me tape dessus. Oh là, il y a deux mecs par terre. J'arrive pour sauver DJ Psycho, à moins que le... ça... Vite avant qu'il appuie sur eux. Mon prix de putain de virage, c'est enfoiré. J'arrive pas à te sauver, et du coup, c'est moi qui suis par terre. Merci d'avoir essayé. Il y avait beaucoup de monde, j'ai eu peur, j'ai pas eu la méthode pour les tous les défoncer. Il y avait trop de pression. Ah, mais t'étais devant un poste de TP, j'aurais dû mettre derrière toi. Ah, qu'est-ce que je suis bête. De toute façon, il faut toujours se mettre derrière la personne pour la race, parce que tu te la coupes derrière et comme ça, si le mec qui est terre qui prend les tailles. Bah, le truc, c'est qu'il était entre la porte et les ennemis. Donc, j'aurais dû faire le tour de l'autre côté sur le TP, mais j'ai pas calé qu'il était près d'un TP. J'aurais fait je me serais déplacé. C'est bête, hein, j'ai fait de la merde. Mon projectile est passé au travers de l'ennemi. C'est quoi le délire? Des skags. Oh non. Vous êtes bête. Vous êtes j'ai pas encore vu un seul skag en vrai. Moi je m'en suis fait quelques-uns au fusil à peu près tout à l'heure. C'est bien là. Qui c'est qui me tire dessus? Il y a un mob derrière toi. Bah oui. Faut que je me baisse. Non, reviens, fuis pas! Bon, je te sauve.
Merci, tout s'est barré là. Attention à tes PV. Oh, non, j'ai eu mal aussi, merde. Second souffle, je te re-sauve. Oh putain, la chance. Il est mort ? Il est déjà mort, merde. Merci. J'étais mort et Tissette est venu à mon secours. J'adore les balles qui passent à travers les ennemis. Allez, hachez bleu, Nash. Ah, il est trop loin. Oh, t'as TP. Eh merde. Je voulais le sauver, mais je pensais que t'allais. De toute façon, je suis pas réveillé. Ça y est, je suis à terre. Laissez-le moi. Merci. Back terminé. Et en plus, ça finit la règle. Que je cherche, c'est des munitions. Des munitions! Tenez-vous les. En plus, je crois qu'elles sont pour tout le monde. Ça despawn avant que j'en ai. Mais ça est roche, c'est quoi ça? Oh là, il est pas là quand même. Ah si, il est au double X. J'ai un rideau avec le double X. Bonne tête! Bonne tête! Je me planque et je me mets en colère. Ah oui, elle est. Je vais mettre le feu ou à l'escalier. Non, c'est bugué, putain. Comment ça se passe? Non, c'est bon. Non, c'est bon. Mais des fois, le second souffle. Enfin, le second souffle, mais quand t'es à terre, des fois, c'est bugué. Oh. Par exemple, tu recharges en même temps que tu te mets à terre. Le colère n'a pas marché. C'est pas grave si je suis à terre. Vas-y, fume-le. Je recharge. Voilà, on l'a fumé. Et on a gagné 0 XP. Non ! Remboursé ! Oh, ça défaut bien, Eren. Vite, les armes. La petite arme. Bon, je vais prendre ça au pif, hein. Hop là. Ah, attends, j'en voulais juste un œil vite fait. Vas-y, un sniper, là. Je voulais voir si t'avais un pistopompe. J'ai pas vu de pistopompe, j'ai ramassé un fusil d'assaut. Ça aurait été intéressant pour le sage. Des armes de meilleure qualité, du coup ils drop des armes de meilleure qualité. J'ai relooté le canon iridien, mais à plus haut niveau, du coup avec plus de dégâts. Ouais. J'ai pas attrapé de pistolet. Ah, c'est des dégâts au cac, ça, non? Waouh. Oh là là, et j'ai quoi dans les mains là? Putain, j'arrive plus à viser, je fais plus rien. Non, non, Nash. Oh bah, t'es réapparu. Ah, je suis pas dedans là. Non, et puis j'ai chaud là, je suis pas à l'aise. Ouais, ouais, il fait lourd. Ouais. Fait chaud. Et j'aime pas les arènes. C'est trop chiant. C'est marrant, les arènes, c'est des monstres qui pop à gogo. Puis après, tu meurs. Moi non plus. Début, enfin. C'est l'entracte. Ah, le menu qui pop en plein milieu de ramassage de. Les ennemis ne se déplacent plus vite. Oh, ça va, ça c'est pas. Et nous aussi. Ouais, deux. Mais. Pour le sniper, c'est très utile ça comme truc. Merde, j'avais une petite déplace quand tu tires. Mais personne ici, je suis triste. Ah, je suis mort. Oh, il y a un TP. Ah, oh, bah si je recharge, c'est sûr que ça va pas le faire. Comment qu'il hurle? Il est où le sage? Oh merde! Je pensais qu'il était mort. Ah mais t'es... Je vais exploser son crâne à lui. Bois. Wouah. Avec un super émission qui va en hauteur quoi. Et moi je suis... Bref, bien joué. Dis-moi. Vampire.
Ah, c'est bien quoi, le ouais, c'est... localement, le malus ou bonus, c'est bien. En fait, le... et on a un malus de points de vie, enfin on perd des points de vie, mais est-ce que avec nos capacités de régène, c'est possible de ré... Oui, moi je le fais, j'active mon... invisibilité, ça me régène plus vite que je perds des points. Tu perds des points. Bon, c'est parce que je l'ai boosté à fond aussi. Merde, putain. Ouais, ils sont tous là. Et merde, je suis par terre. Je t'ai eu, le sage. Je me voyais condamné. Ouah, je prends des fessées là, qui font mal. Bien joué, bien joué. Ouais, on a réussi. Ramassons des munitions. Gérard. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. GG le camionneur. Ah, ça va être un emmerdeur. Ah, ça par contre, j'aime pas ça. Sans bouclier, ouais. C'est chaud. Et tu sais que vu que c'est celle qu'on a à la vague 4, ça sera celle qu'on aura au boss à la vague 5. Ouais, c'est pas grave. Tant pis. Oh, les coquinous, ils parlent de bouclier, ils mettent l'image d'un soutien. Aïe, aïe, aïe. Ils parlent de la disparition. T'es où, saloperie? Là, je t'ai vu. Pourquoi j'ai plus d'ennemis à vue? Où est-ce qu'ils sont? Bah, il y a personne, oui. Alors, on est tous en train de chercher des ennemis. Encore. Bah, il y en a un qui est planqué. Mais... Ah, le v'là! Il y a des gardiens. Il y a un gardien. Et ils vont tous popper d'un coup. Boum! Oh, je lui ai niqué sa gueule. Il est passé où, ce con? Il est mort? Le gardien? Oui. Ah, bien. Ah, il y en a encore un autre, je vois sur la carte là. Mmh. Faut monter sur le surplomb. Oh merde. Bah là, je l'ai pas vu. Moi qui je vois errer, t'es là. Ah oui, il est mort. Et un deuxième. Ah ouais, moi j'ai le relief qui me cache l'ennemi, donc je peux pas la faire. Oh saloperie. Il t'a mis à terre juste avant qu'on l'achève. Ouais. J'ai vu aucun ennemi. Oui. Je vois des objets qui giclent. Eh ben. Ah, je vais me cacher avec le sage. Tourelle de soutien. Je vais aller à. Je vais mettre avec. Neuf orteils. Tu me rappelles. Oh, c'est explosé par les skag. Mais c'est pas, ça sert à rien de tirer quand il est pas descendu. Ah, c'est pas lui qui a été, mais. Allez, tiens, une petite grenade électrique là. Non, je l'ai pas eu. Ah, si, je l'ai eu, j'ai niqué son pied. Ouais, il y a même eu les canons qui l'ont zigouillé. Ouais, ah, oh, il fait mal. Oui, il fait mal, le fauteuil. C'est bien, il a plus de bouclier déjà. Bonjour, Christella. Bonjour, Christella. Bonjour, Christella. Je me suis mis une balle en plus. Ah, c'est bon. Ouais, on l'a eu. Nayane. À coup de claque dans la tronche, alors, hein. Bim. C'est mort les griffes que ça fait à l'écran. Il en reste ? Ils sont tous morts. Non, ça a looté les armes. Ah oui. Bien joué. Donc, qu'est-ce qu'on a ? J'ai là-bas. Il y a un sniper de merde, tiens. Je le laisse. Ouais, mais ça, c'est... je cherche surtout le. 10 secondes. Bien joué, bien joué. Je dois l'admettre. C'est bien, je fais 3 morts par. J'ai mon petit rythme. Et Nayune, il a 6. Hein. C'est 2 fois plus. Et nous on a échangé 2 kills avec. Et toi, nous, on sais, échangé... t'as 12, c'est encore 2 fois plus. Ouais. 3, 6, 12. Elle est 24, là, il en manque 4. J'étais à 10 au premier, toi t'étais à 22, on a échangé 2 kills avec. Ouais, c'est. Ouais, c'est impressionnant. C'est rigolo. Kiki a Kiki dit David. Ah! SMG. Qui se sert de SMG? Je crois que j'en ai. Moi.
Je dois en avoir une en réserve aussi, je crois. À moins que je l'ai vendue. Non, oui, j'ai plus la vendue. C'est ça, mon SMG. Alors, bonus avec l'arme là. Ouf. Putain, il bouge tellement que j'ai pas le temps de... Ah, mais je suis tombé à terre. Ok, j'étais en mode furie, mais... Je suis dégoûté. Ah, c'est pas grave. Oh non, il s'enfuit. Reviens. On a juste merde. À côté de toi. Non, mais sérieux, je suis tellement loin que je touche même pas. Mes balles sont en mousse. Je vois pas. C'est pas grave. Il est derrière le... Allez. Attends. Pourquoi je peux pas te relever? Ah, ça y est. Ça marche. Ah, faut vraiment y aller. Oh non, c'est dégueulasse. Ça, c'est dégueulasse. Merci. Sur l'arbitre, je suis pas d'accord. Merci. Mais je veux te soigner. Mais... Ah, faut bien centrer, quoi. Ouais, moi je suis... C'est pour ça que je prends plein de dégâts, parce que je leur mets le canon sur la tempe pour leur tirer dessus. Hop. Allez, lancer des grenades en plein sol, c'est bon. Mais c'est... Elle est nulle, mon arme, elle est nulle. Elle est nulle. Oh, c'est le cadavre. Il y a trop de cadavres, c'est quoi ça? Des munitions. Encore les SMG. Putain, les mecs qui ont pas de chance, tu vois. C'est bien, je l'ai toujours en main. Je viens de la SMG. Oui, j'en connais qui vont digérer du plomb. Non, mais t'es pas naïonné, il a eu des succès dans ETS. C'est vrai? Oui. Oui. Waouh, bravo. Ah, t'avais déjà réagi, le sage? T'avais dit que... Ah, je suis... Oh, merde. Ah oui, ok. Ouais, j'ai... Oui, bon. Ou alors j'ai oublié. Je sais plus, j'ai peut-être mal vu. Je me suis un petit peu vanté d'avoir fait tous les succès. Bah, tu peux t'en vanter, hein. Oh. Ouais. Bah, si. Ouais, oui. Attends. Merde, je suis dans une très mauvaise posture. Ah, il y a petit Seb avec moi. Où sont les méchangs? La machine. Ah oui, j'avais pas posté chez Petit Seb le message justement parce que y a pas un jeu camion en général. Là, il téléportons-nous. C'était pas terrible, pas fameux. D'accord, les munitions sont passées de l'autre côté du rideau, super. Je me douche dedans. Oh non! Ouf. Ah, ça va être bien ça. Non. En hauteur, moi. Ça va être très bien. C'est ironique, évidemment. Clin d'œil, ironie, hashtag ironie. Hashtag, vous tapez pas moi. Attends, je vais mettre ma tourelle là, j'en prends le risque. Ah, c'est les mecs au corps à corps, donc on s'en fout. C'est ce que j'allais dire, mais j'étais parti pour... C'est pas grave. Ouais. Voilà, moi je suis posé. Il y en a derrière. Alors, qui que quoi, corps à corps? Ah merde! Le souffle de mon lance-roquette me fait tomber de ma position. Je vais me taper le... Ouch. Ah oui, c'est bien. Ils sont bien affaiblis. C'est qui était sur lance-roquette en ce moment? C'est pas la lance-roquette, c'est un... Non, c'est des grenades. Non, mais il y a vraiment des roquettes qui partent. C'est moi. Je suis en hauteur et je tire les roquettes pour affaiblir les ennemis. Non, en pleine ambiance, son et lumière. J'imagine. Alors, on a réussi. On a réussi. Oh, les grosses cartouches pour mon roquette. Je fais des munitions qui sont tombées vers moi. On a ramassé quelques-unes. Mais c'est pour tout le monde, j'ai l'impression de munitions. Non, bah, c'est parti pour un peu de cac. Un peu de cac, c'est parti pour un peu de cac, c'est parti. Le vilain méchant pas beau. Ah merde, c'est des grandes saloperies. Ah, fait chier. Poissé dans un mur. Il y a trois entités, je sais plus comment ça s'appelle, des gros archanges. Ah oui, les gardiens. Les gardiens. Ouch, ça va, j'arrive à le brouiller. Je suis vraiment content d'avoir les balles qui traversent les boucliers. Ah ouais, c'est pratique. Surtout contre ces saloperies.
Seb est à terre. Comment ça, petit Seb est à terre? Personne n'est quand même. J'en ai 4 ou 5 sur la gueule, alors ah oui, forcément. Ah merde, il faut prendre le TP. Oh zut. Ah putain, si j'avais pas eu à recharger, je l'aurais peut-être tué. Ah, je suis presque. Non, t'es c'est mort. Putain, il en restait qu'un en plus. Je suis sûr que c'est le dernier mob oui, de la vague. Mais c'était le dernier. Voilà. Allez, pas le menu qui pop en grand. Vas-y, on va y aller. Ouais, mais je sais, mais j'ai pas le voir pour ici. Du coup, j'ai même pas eu le temps de prendre des munitions encore. Et je vais être à sec hein, si ça continue. Déjà sur la. Non, on est pas sur le boss là. Si. Non. Pack 5. Ah si. On a toujours la visée de merde pour le boss. Hein. Ouais, mais les dégâts sont. Yo. Yo. Allez. Oh non. Sledge, je le vis là. Allez, je lui mets des fessées, je mets la fessée. Je vois rien à l'écran, c'est horrible. Oh l'enfoiré! Je ne perds aucun point de vie. Ah, je recharge. T'es vengé, bien joué, Nash. Je lui ai fait ravaler son. Son slip. La hache. Oui, aussi son slip. Attends, avant de ramasser, je vais juste jeter. Je cherche vraiment le. Oh, ça, c'est quoi? Non, c'est... non. 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 Non, t'es non. Bon, c'est un fusil. Ouais, j'ai ramassé un fusil. Mais bah, c'est pour ça qu'il faut qu'on ramasse tout ce moment. Comment? Oh non. Bon, le sage est toujours dans sa lancée de 3. Oui. Par tout contre, Nash, il a eu un coup de mou là. Hein. C'est. J'ai eu une demi-molle tout à l'heure. Ça a pas marché. Je suis pas sûr qu'elle était aussi. Je m'égare. Allez, plus que 2 rounds et on aura fini. Bah, ça va les mecs, vous spawnez sur notre cul hein, maintenant. Je sais même pas si c'est moi qui tire tout seul. Bien, je suis tombé. Ah, je me dépêche, je dis ça avec vous. Oh, mais je suis coincé. Waouh, je me suis coincé dans une texture. Tu t'es bien mis sur moi. Mais j'ai vu qu'un seul mob, c'est vacciné. Non. C'était très violent. Waouh, le saut de Nayonet. J'ai chaud. Je ramasse toutes les munitions. Ah, mais les boîtes de munitions, elles passent à travers le terrain. Elles passent en dehors du terrain, là. Oui, des fois, une fois, elles passaient derrière le rideau du boss. Il y avait super. Depuis quand elle retire la gravité, la miss. Attention à vos sauts. Non mais tu prends pas de dégâts. Non mais je veux dire, c'est rigolo. C'est le saut de l'enfer. Là, tu peux vraiment faire un parcours en fait. C'est Borderlands de pré-sequel. C'est ce que j'allais dire mais... Ouille. Ouille, ça pique. Ouais, wow, c'est dégâts de la lance. Ah merde, c'est des costauds avec leur tour à la eux. Oh non, Nash, j'ai fait avoir. Aïe! Mais non, 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 t'inquiète. Ah, cette gravité! C'est excellent! La gravité! Et je vais mourir, hein. Ils sont où les ennemis? T'as une fois de plus, je les ai perdus de vue. Bah, y'en a 3 vers moi là sur les hauteurs. Mais... Non, non, tu peux! Le kill! Je te pique le kill! Bah, ouais, par contre, du coup, je suis par terre, merci. Je vais me mettre des coups de tatane sur les yeux. Alors, je suis en mode furie, mais j'ai pu te réanimer. Par contre, j'aurais besoin de soutien, moi, là, parce qu'ils sont plusieurs avec des tourelles, là. Je peux rien faire, hein, vraiment. Je me relève, je prends 2 balles, ça me nique le bouclier, et je tombe à 200 PV, quoi. Et les Schtroumpfs, on va tous vous niquer. Merci pour la distinction. Je peux pas en avoir un. Voilà, je suis à terre, super. Bien. J'ai eu le kill alors que c'est moi qui ai. Bon. Bah, je sais. Non, t'as peut-être pas eu le kill, mais comme c'était la fin de la vague, Ah oui. Ouais. Bon, j'ai pas le temps de ramasser les munitions, mais je suis à top. Oh, les critiques, ça c'est bien. Ouf. Entraînement au tir.
Ça va, ils sont pas là. Oh, pff, ouais, mais il est folle. Non, je mets pas. Je mets derrière, excuse-moi, je vois pas le problème, c'est le déplacement du. T'aurais mieux fait de te mettre sur les autres qui arrivaient derrière, surtout. Ouais, j'arrive. Non, non, non. De mon point de vue, j'ai retrouvé un épisode de Benny Hill. Il y a toute une corde qui court à la queue au nez. C'est bizarre. Et j'en connais qui dégustent de mes roquettes. Et brûlent dans les flammes de l'enfer. Oh, mais juste à côté de moi, l'autre, j'avais même pas vu. Wouah. Ah, mais j'en ai encore 4 sur la gueule. 5. Y'a du peuple. Vague terminée. Tu vas pouvoir ressortir ton rocket launcher. Ah, le sage c'est pour toi. Ah, chic. Tu vas pouvoir utiliser ton rocket launcher et puis c'est tout. Non, je croyais qu'on était une vague plus tard. Ouais, bon, tant pis. Il nous reste la vague du boss après. Le bâche, le bâche. Ils sont où, je les vois pas. Ah oui. Aïe. Effectivement, c'est ma session. Ah. Allez, viens là. Viens là, au lieu de gigoter, toi, reviens ici. Y a des gardiens en haut. Oh non. Ouf, t'as juste à temps. Ah oui. Mais gigote de trop, au lieu de se battre. Allez, Nayone, que de faire. Nayone. C'est violent. Il a mis un bouclier dessus, c'est mort, du coup. C'est mal. À deux dessus, il y a un coup. Bien joué. C'est bon, on l'a eu. On l'a eu. Bien, bravo. Et on a gagné 0 XP. Non. Bah, il est où l'ennemi restant? Je le vois pas. Il y avait encore un à droite. De en haut. Ah, en fait, il y a un gardien qui a spawn à un endroit. Il était bloqué dans le décor. Il pouvait pas bouger. Si, juste à l'allumer comme un pigeon. Non, bah tant mieux. Ah, il garde le coup du lance-roquette. Merci, madame. Je peux faire la quand on arrive au boss, on garde les. Le boss. Alors, je suis prêt, je vous attends. Je mets les cheveux en planque et ensuite, ouais, dès qu'il arrive. Dès qu'il arrive, boum. Baron. Ah, je me déplanque. Je me mets en colère. J'ai balancé les grenades, moi. Elle voit plus rien. Ces trucs électriques là. Ouf, il se les mange mes roquettes, me dit l'imbus. C'est de la triche, je peux pas monter pour le suivre. Il récupère des PV le salopard. Il est où le vilain? Je le vois plus. Il est à côté de moi. J'ai plus de points de vie, je recule. Le gros vilain, c'est moi de le mettre. Ouf, c'est violent. Dans les flammes. Oh, il est costaud celui-là. Hein. Allez-y, terminez-le. C'est bon, on l'a eu. Et là, c'est pas la dernière vague, il y a encore un round complet. Ouais. Moi, je vais lui tirer une roquette dans les gueux à la vitesse. Tiens, Gob. Laisse-moi t'allumer. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Tu m'impressionnes. Oh non, j'ai baissé de rythme, j'en ai tué que deux. Donc c'était le boss. Mais c'est rigolo, ça défoule. Ah, t'en feras 4 à la dernière, le sage. Peut-être. Espérons. J'ai hâte de voir comment tu vas te débrouiller dans ce. Il faut juste contre les méchants et des boucliers plus solides. Ah mince, piège. J'ai la bonne. J'ai pas de munitions. Ah, j'ai plus de grenades. Voilà. Ok. Il ne reste plus que 3 grenades. Si on lui tire dessus, il se passe un peu.
étoiles. Il parle d'un bouclier solide, je l'ai défoncé en deux coups de pompe. Pouk, pouk. Petite toile. Oh putain, je l'ai mise sur la tronche du mur trop fort. Le mec qui dégomme ma tourelle, il est fort. Quoi, qui s'est mis dire dessus? Quel est le vilain au score? C'est la guerre, il me reste. Ah, puis je saute dans l'arène. Allez, je me jette dedans. Oh d'accord, tu les as tués, je me suis planqué. Ah bah, pardon, je... Non mais c'est bien, j'ai... J'essaie d'arrêter mes balles, là, quand tu... Avec tes dents, mon vilain. Yo, qui c'est qui fait tuer des rouges à ton maillonnette et tout fou? Seb est dans le... On a putain, mais... Et ça, la technique qu'ils ont de se barrer dès que tu t'es à terre... Ah, c'est horrible. Bon, tu l'as eu. Merci. Le fait que je me suis approché, ça les a... Ça l'a fait un peu bouger. Bah, ils ont voulu t'avoir toi, puisque t'étais pas... T'étais... Ouais. Oui, voilà. Il me faut des munitions. Ah, des munitions. Il me faut des nouvelles armes. Mais ça, c'est le cas de tout le monde, Nash. Il nous faut tout. Il nous faut une arme. On appuie sur un bouton et on termine le jeu en un clic. Mais non, mais non. T'appuies sur un bouton et une ogive nucléaire. Ah merde, t'es au-dessus de gagné. Quel ennemi, j'ai rêvé. Alors, les bougons, ils sont des vilains. Allez mourir. Des vilains. Voilà. Des vilains. Vilaine brute. Voilà, vilaine brute. Je vais te tuer, ouais. Y'a personne. Allez. Des très gros. Tu pourras pas être... On est 3 à terre, c'est pas bon. Merde, on est 4 à terre. Eh merde, on est 4 à terre. Non, non, ça j'ai... J'ai 2 bons. Yes ouais. Moi je pourrais pas me relever. Hein. Oh putain. Tire-toi Nash. Je vais à terre, tire-toi. C'est compliqué là. Le sage derrière, derrière toi, le sage moi, j'ai besoin d'aide. Ah oui, pas de haut. En fait, faut qu'il y en ait un qui se planque là. Merci, merci. Le dernier, mon poulet ne sert à rien, je répète, mon poulet ne sert à rien. Non mais ça c'est depuis le début, on sait. J'arrive, dis Saiko. Bug d'affichage, ça fait comme le chargement de Command & Conquer. Ah non, non, il est mort, sérieux. Mais non, il est pas mort. Il est pas mort et j'ai beau tirer dessus, ça le touche pas alors. Quoi? Mais pourquoi j'étais... J'ai 97% de précision, j'arrive pas à tuer un mob. Mais merde, j'ai pas eu le temps de me planquer, au secours, je suis dans un coin de la carte. T'es tout seul, Nayone. On est tous en zone de pénalité. Je sais pas pourquoi j'étais puni. J'ai pas eu mon temps de régène, j'ai pas compris. J'ai pas de... Je vais mourir. Je vais la voir. Ah putain, et on va perdre sur ça, fait chier. Ah, sur lui, Nayone, sur lui. Mais il peut pas, il est à terre. On va recommencer les rounds depuis le début. Je sais pas ce qu'on recommence. Non, pitié, mais... je fais pas tous les rounds quand même. Mais je crois que c'est tous les rounds de toute façon. Quoi? Alors? Je sais pas, on refasse la manche, d'accord? Qu'on refasse toutes les manches, tous les rounds, ça. Ah oui, c'est tout. Non, pitié. Non, je vais pas tout me refaire. Attends, il dit un truc. Pourquoi il disait rien? Bon, bah si on fait pas tout, hein, on fait pas bêtement la même chose. Non, ah, c'est bon, pas... Non, on est reparti au round d'avant. Hein. Ouais, mais bon, c'est toujours mieux que de faire tout le début. Hein. Bah oui, on démarre pas tout le début, vous voyez. Et en plus, on a pas toutes nos munitions, ça c'est vache, hein. Ouais, tue-moi, t'as raison. Ce DLC, c'est vraiment de la merde. Ouh, c'est violence. Pourquoi ça fait aucun dégât, je comprends pas. Ah, parce qu'il est mort. Ça doit faire mal.
Ça doit faire. Bien joué, Nayone. Yeah. Ouais, ouais. Ouais, ça va, c'est juste un round. Laisse-moi monter la colline. Vampirique. Ah, génial. Quand même. Pourquoi il nous faut redémarrer round 4? C'est abusé, ça. Ouais. C'est complètement abusé. Mais ils sont pas là. Ah, je vais l'allumer, celui-là. Ah, il a lancé un 4. Peu de loin ton spécial, non? Bah, la vache, mon. Ah, la vache, ils sont costauds, ouais. Ah, mais ça t'a pas relevé? Non. Mais non, c'est parce que Notch il a encore fait le Ah non 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 non, moi le flanker féroce il est là, hein. J'ai pas tué le gars. Ah, il est là le gars, d'accord. Non non non, il y en avait un au-dessus de vous qui a été full PV, donc non. Moi par contre je suis baisé. Hein. C'est un gars de la lance. Pardon, j'arrive. Merde. Mais pourquoi? Putain, faut que c'est que bon. Snipe, lui. Bouge pas d'un, j'arrive. Attends, il y a un mec, faut que je snipe parce que comment qu'il est planqué? Mais non. Ah, je vais faire une... Merci. Côté à moi, voilà. Attends, je vais l'avoir. Quoi? Mais bon, il a régénéré son bouclier instantanément, le salopard. C'est quoi? Ah, mais t'es loin, le sage. J'arrive, je vais rejoindre le sniper. Ah, mais ça ne téléporte complètement à l'opposé, ça n'a pas de sens. Ah, t'as été puni. Ouais, pas mal, Nash. Ah, bien joué. Punaise, il était quand même là-dessus. Je ramasse les munitions. Ça dégringole, les munitions. La 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 la. Encore? Vampiric. Attends, on est au... On a quelle vague? Vampiria. À la 3, 3. Non, parce que je me disais, putain, si on est à la 4 et qu'on se tape ça au boss. Hein. La douloureuse. Ah bah, je vous remercie les grenades, j'ai activé l'attaque, la compétence. Merde, ça c'est toi. Oui, j'ai vu tout ce que t'avais au cul, je suis venu en prendre quelques-uns. Oula, j'ai un magnifique graphique. Ah ouais, ils sont tous là en fait. Oh, la pénalité. Oui, c'est tous au cul de Nayone. Cette place. Non. Mon dieu. Oh là là, c'est beau. Oh là là. Je ne vous permets pas, messieurs. La direction vous présente ses excuses. La direction vous emmerde, oui. Il y a des bandits encore. Des bandits. Yeah, je les crame. Ça fait de l'effet. Mais je meurs rapidement en fait. Je suis non, à terre. En amont, il y a un problème en amont de la chaîne man. Bah j'y vais, je cours, je vole, je tisse toile, mais je peux pas courir plus vite que la lumière. Oui. Je vais être en zone de pénalité dans 10 secondes. Mon appui, merci. Y a pas d'acoustique. Tu dois l'enlever, ça naïonné, ça le relève. Allez hop. Oh, oh mon dieu. Bon, hein. Ça va, on reste bien dans le thème là quand même. C'était une bout dans le train. On a des bouts dans le train, ouais. Ouais. C'est comme ça que tu l'appelles, les stages. Corps à corps. Bon, je m'éloigne parce que je sens que. Hein. Il y a un peu d'abus. De la part de qui? Ah bah c'est le boss. Il y a un petit coup. Là, on le boss avec, malus corps à corps, donc c'est pour toi, Nayone. Oh non, putain, c'est la lance. Oh crap. McCloud. Il fait des dégâts contre ces connards.
Oh putain, mais ils prennent que dalle en dégâts, même quand tu fais des tirs à la tête avec le pont. Mais comment ça? Comment? T'inquiète, Nash a besoin d'être sauvé. C'est toi le plus proche, alors du coup. Je te réanime. Ouais, merci. J'ai eu un garde royal. Cool. Comment? Ah, d'accord, c'est la fin. C'était rapide. Ouais. Allez, ramassez toutes les armes, Lady. Attendez pas qu'elles disparaissent. Ouais, regarde pas Nash Ramas parce que là, de toute façon, on a plus. Ok. Ramassez tout, c'est important. Allez, pourquoi elle veut pas se ramasser celle-ci? Connasse. Ah, elle a disparu, elle a disparu. Bah, elle a disparu trop tard, ouais. Attends, j'ai. 2, 6, 12, 18. C'est joli. Oh, je vais faire mieux que la semaine dernière. Ouais, mais là, t'as oublié que t'as une vague et demie en plus. Ah, ça l'a gardé en compte? Ah, bon, ouais. Ça compte pas. Je reste à côté de. Ah, oui, de je rappelle qu'on fasse des binômes. T'as les mecs, ils ont plus d'armure et on a l'effet saignement. Eh ben. Ils sont aussi deux, j'ai deux, j'en ai trois en haut, 3-4 en haut, à mon avis. Non, ah, bon, pas des gardiens. Là-haut, je crois. Ok, ils sont en haut. Je rejoins un Nash, tu sais. Hey, Pepito! Nicolas, sol! C'est une vague pas terrible. Aucune victime. Bah, si ça pouvait être pas terrible comme ça. Non, mais je veux dire, il y avait 3 mobs. Ouais. Et vu comment on s'est fait défoncer tout à l'heure, je m'en plains pas. Oui, franchement. Ouais, pistolet inflige des dégâts. Yes! J'ai le pistolet. En 3 arènes, c'est la première fois. Pistolouche. Non, c'est pas la première fois. On l'a déjà eu. Le pistole? Ouais. Ouais, je vais encore un. Ça reste de la merde. Je fais comme de dégâts. Allez, vous êtes à terre, vous êtes à terre. Tiens, bouf. Je suis à terre aussi. Bouf. Mais arrête de gigoter, toi. Oh non, j'allais le tuer. Oh. Tenez bon, tenez bon. Merci. Ouais, je suis dans la punition là-haut, mais je peux fragiliser la bouclier. Oh putain, non, il y a une grosse brutasse tout en haut là. Ah. Je peux pas me mettre en colère. Ah mais il y a du monde là-haut. J'ai deux mobs en haut vers moi là, mais il y en a un, c'est. Bah au centre, il y a un. Au centre, il bon, y a du peuple là. Non. Ah ah. Ah oui, j'en vois. J'arrive, Nash. Il y a un baraque qui est féroce. T'inquiète pas, Namine. Si t'arrives à le tuer, le baraque qui est féroce, le soir, j'hésite pas. Ok, je le cible. Je redescends avec les autres. D'accord. Si tu l'en le fais. Ne meurs pas, Nash. Moi, j'ai dans le viseur, le baraque est féroce. Ouf, il a bobé ma. J'ai remourir. Je peux quand même tirer avec le pistolet. Remourir, là. Oui. Ouh, il aime pas. Aïe. Tire dessus. Aïe, aïe. On le dos. Super, on l'a eu. Ouf. Ah putain, mais vraiment. Le mec il m'a tiré 20 fois dessus, c'est au moment où j'ai plus de PV qu'il arrive à me toucher. Attends, moi j'ai ma souris. Salut Lynn. Sensible. Comment tu vas? Bonjour. Oui, bonjour aux arrivants, pardon. Non, on va absorber pour le jeu. Ah, ma souris qui est trop sensible. Je la fleur à peine, elle me change d'arme. Connard. Non, mais t'es pas à terre. Ah, je suis accroupi. Alors il y en a deux là-haut, il y a un petit mob normal normalement et il y a un gros baraqué féroce. Ouais, j'essaie de le baraqué féroce. Bon, lui c'est bon. Ah, baraqué féroce. Ah oui, allez-y dessus, j'arrive pas à me faire. Oui, mais c'est parce que toi t'es loin aussi en plus. Bah oui. J'attends que Nayone est fini, je vais relever. Vas-y, Nayone. Ah, mais non, bravo, c'est bon là. J'ai pris en second souffle. Non, bah sur les munitions et les points de vie. On sait pas ce qui va nous attendre. Mais ils vont faire des tours. Je vais
J'aimerais trouver les munitions, mais je les vois pas. Ah zut, à cause du menu à la con qui apparaît. Oui, ça c'est une grave erreur de conception, le truc en pleine tronche, plein écran. J'ai l'aléatoirisme du... Surtout vous voyez que le tableau, il y a 4 emplacements, ils s'en servent que 2 max. Pour l'instant. Quel est l'intérêt? Pour l'instant, ouais. Ah bon? Ah bah, oui, parce que c'est évident. Là, on est sur la quête niveau 15. Normalement, il y a la quête niveau 30 et la quête niveau 45 derrière, je crois. Oh merde. Voilà. Ou la quête niveau 25 et la quête niveau 35. Là, je sais plus. Ouais, c'est la seule demi-finale, ouais. Excusez-moi. Ouf, comment qu'ils ont dégusté ces idiots. Je suis peut-être à ta terre. Allez mourir, les gars. Ça arrive encore. Quelqu'un est à terre. Wouah, mais c'est quoi cette horde? Ils sont 50. Je sais plus où tirer, moi, tellement qu'il y en a partout. C'est tout contraire de tout à l'heure. Le sage, du coup, t'es en zone de pénalité ou... Non, je suis libre de mouvement. Ça en fait un autre qui mord la poussière. Ouf, j'arrive à péter leur bouclier et à les cramer. Y'en a d'autres là ou c'est bon? Il est mort, c'est bon. Ouais, putain, le temps que je recharge, vous l'avez lâché. Yeah. J'ai vu des munitions, mais où? Là. Ce jeu de fou. Encore plus vite. Laurent, ça annonce le truc après, mais ça le donne avant, le malus et le bonus. Oui, en fait, dès qu'il commence à lancer le truc, tu l'obtiens. Merde. Regardez, quelqu'un derrière vous. Oh merde. Et voilà, je suis à terre. Ah, bah pareil. Vous êtes là-haut. Au centre. Ah putain, je suis tombé. Je vais trop vite. Ouais. Je vais tuer lui, voilà, c'est bon. J'ai eu le second souffle, mais pas... Attends. Ce cri de rage. Un brute féroce. Oh, mais... Quand? Comment? Où? Pourquoi? Comment se fesse? Bah, arrête de parler de fesses, on a dit. Ah, je fais ce que je veux. Je l'ai eu, le baraque est féroce. Un coup de poing, je sais pas si vous m'avez aidé. Oui, vous m'avez aidé derrière. Ouais. Vous avez réussi à tirer à travers mon corps pour atteindre l'ennemi. Oh, il y a une pub à Infinite, c'est génial. Dans le jeu? Non, sur le stream de Seb. Du sage. Non, petit Seb. Une pub par rapport à quoi? En fait, Halo, c'est Infinite. Dolby Atmos, mais sur le fond de Halo Infinite. Halo Wild. On se dépasse toujours aussi vite et les pistolets font des dégâts. Non, alors là je suis dans la merde. Wouah, qu'est-ce qu'il fout qu'on avait raté lui. Quelqu'un peut sauver petit Seb, Nashemon. Ouais. Où est Nash? Ah non, ça c'est Jack. Il reste plus que le boss, quoi. Oh, on m'a fait tomber de mon... Qui a osé? Bon, il va mourir. Dans combien de temps, je sais pas, mais il va mourir. Je m'en fous de mes grenades. On l'a eu. On a terminé. Vite les armes au centre. On court. Ramassez tout. Allez-y. Voilà, super. Moi que c'est terminé, tu vois. Un super boss. Il va devenir un super boss. Oh, t'imagines? Ça, ça me plaît. J'adore. Continue. Ah, les scores là sont violents. Hein. Ouais. Eh bah. Ouais. Certificat de brutalité. Qu'est-ce qu'on a gagné? En brutalité. Ouais, ça sert à rien. Ouch. Ouch! On a gagné le droit de plus la faire, voilà. Voilà, on a. Merci, au revoir, on était content d'être passé. Ouf! Ça défoule. Oh
sympa, level up, ça c'est beau ça. Ah oui, alors déjà, question. On vérifie nos armes. Mais parce qu'on a des trucs intéressants pour les copains. Sérieux, mais y'a rien. J'ai envie de pleurer. Ça c'est bien. Ah oui, j'ai un point bonus. Waouh, mes deux ça. Oh là là, c'est pas mal. Ça. Ah, c'est bien. On a un kit de stockage aussi qu'on a obtenu normalement. Ouais. Ah, ça me l'a pas donné. Pourquoi ça me l'a pas donné? Ah, parce que 42 c'est le maximum, peut-être. J'ai sniper pourri, j'ai un. Ouais. La merde. Non, mais de toute façon, on a eu que de la merde. Hein. Moi, ce que j'ai ramassé. Ouais, il y a vraiment tous les snipers. Les snipers sont à 500 de dégâts. Bah, c'est niveau 15 ou niveau 30 qu'on a fait? C'est le niveau 15 qu'on a. 40% de chance de passer au travers des boucles. Est-ce que ça vous intéresse un... Bah, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je grand suis démerdé. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah mais je me suis planté. Je n'ai plus de grenades, faut que j'en rachète. Ah oui, c'est vrai, et là ça nous a débloqué ouais, les maps plus compliquées. Mm-hmm. Le truc est déjà compliqué, parce que c'est super compliqué. Non mais si tu veux, là c'était les maps niveau 15, et après là c'est les maps plus haut level normalement. Mais une fois, mais c'est niveau 15, mais ça s'adapte à ton level, donc c'est pour ça qu'on les a à notre niveau les maps. Et c'est pour ça qu'on... galère autant. Bon bah c'était des armes de merde, je suis planté. Est-ce qu'un... Non je sais pas, 877 de dégâts à bazooka, ça intéresse quelqu'un? Le mien il a plus de 1000. Non. Ok donc c'est de la merde. Et toi le sage c'est... Je vais pas regarder, excuse-moi je suis en train d'optimiser mes... munitions. Parce que moi je suis pas au plafond. Voilà. J'ai pas de kit d'optimisation, hein. J'ai que dalle. Mais t'as 42 emplacements de stockage ou pas? J'ai 39 emplacements. Ah oui, t'en avais loupé un, c'est truc que t'avais... Ouais. J'ai dû en louper deux maintenant. Non, ouais. Vendu. Non. Là, moi, je me suis ruiné pour avoir tout au plafond au niveau des munitions. J'ai même plus de... à me poser la question si je suis en manque de munitions ou pas, tellement que j'en ai. C'est le délire. Ouais, mais moi, c'est pareil. j'ai un canon iridien. Wow. À 886 de dégâts, est-ce que quelqu'un le veut? Je veux bien essayer, s'il te plaît. Ah, mais c'est le sniper, ça. Oui, ah, c'est un sniper. Non, ouais, je sais pas si c'est vraiment un sniper. Ouais. Et là, en direct, je vous hypnotise. Vous entendez ma voix et tout. Et maintenant, devant vos écrans, dansez la Macarena. Il des choses. Merci pour le canon iridien, c'est un fusil sniper. C'est quoi ce truc? C'est une grosse connerie, mais ça va, c'est pas ses crèmes. Oui, 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 oui. Je ne l'ai entendu aussi. Pas. Ah oui, non, mais ça va être clippé honteusement. Ah merde, non, 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 c'est faux. Personne le veut le canon iridien? Hop là, j'ai bien entendu. L'aspirateur à loot. Non mais Twinsen, le problème de la journée il est incertain parce qu'en fait je suis en alerte orange orage. Niveau sommeil moi c'est pas top. Donc là on fait le Borderlands ce matin Twinsen, mais l'après-midi je suis dans l'inconnu. Je vais être obligé de couper parce que je vais aider la famille en début d'après-midi d'un point de vue informatique. Et je vais peut-être m'octroyer une sieste, je sais pas. Et en fonction de l'orage dans ma région, je sais pas si je reprendrai un direct l'après-midi ou pas. Je sais pas, Twinsen. Je pars dans l'inconnu, moi. Je peux pas. Voilà. Improvisation. Vraiment. J'ai trop de variables dans l'équation ce week-end. Et, enfin, déjà demain, vous me verrez pas avec le vote, là. Je suis navré, mais c'est ainsi. Mon dieu, j'avais pas vu ce... C'était bon pour tout le monde? Oui. Bah non, on a yonné dans les... pardon, j'ai... Pourquoi ça a mis dans les menus quand je bascule? C'est nul.
Voilà, là, je peux basculer. Une Mercedes AMG GT. Safety car. Ah, la voiture de sécurité. Ah, bah, elle est bonne, celle-là. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu une voiture de sécurité de sortie dans mon jeu. Il y en a quelques-unes. D'ailleurs, dans Gran Turismo, tu peux conduire la voiture de sécurité? Oui, à partir du 4, je crois. Ok. Je crois qu'à partir du 4ème opus, tu peux être le pilote de la voiture de sécurité. Ouais. Mmh. Immersion totale. Mmh. Il essaie absolument de monter dans le véhicule, Nash. Je vais faire pareil, ça marche pas. Ne vous inquiétez pas, Pandore est la 13ème planète la plus importante de nos actifs interglobaux. Certes, nous y limiterons nos dépenses, mais pensez que vous pourriez être sur Prométhée. Promettez-moi la lune. Ah, ah, ah. Oh putain. Oh. Mais t'es parti loin voiture. Pour ta voiture. Mais je sais pas où tu la trouves l'autre. Au garage, là à droite. Oula, pardon, pardon, pardon. Là ici. Chez Scooter. En fait le. Elle est fermée. Le point de spawn est à l'intérieur. Sacré Scooter. C'est pour ça. Qui est dans le véhicule? C'est moi. Le sage, un certain sage. Oui, moi il je suis encore dans les bâtiments, moi je me promène. Faut aller à bord du véhicule. Oui, tout à fait. Ah, j'arrive, je sors du bâtiment et je me prépare. Si c'est en fait, t'es tout seul. Les écarlates ont installé des barrages sur la route. Ouais. Des massacres, on dirait que personne n'a rien vu ni rien entendu. J'arrive. Oula, cette propulsion, comme diraient certains. Prospulsé. Par contre, la quantité de boost que t'as sur cette voiture, elle est insane. Je l'ai activé quand je suis sorti de la ville, j'ai toujours pas fini. Ça va être dur de les rattraper à pied. Hein? Mmh. Tu sais très bien que tu peux être TP dans le véhicule. Depuis je sais le... comment on fait, j'ai la borne. Ouais, de toute façon, je fais juste le tour parce que là, tu peux faire le tour de la ville par les routes. Il y a un chrono, il faut battre le chrono. Ah, c'est des mortiers. Ah, mais c'est mis auto-guidé les machins? Ah oui, non mais les missiles sont autoguidés. Je tire et c'est autoguidé. Mais ah oui, du coup Nash a pris une voiture donc du coup il est avec Néné. Oui. Je suis là. Ça y est, je suis à bord. Par contre, deux véhicules violets, j'aime bien le violet mais bon. C'est quoi cette tempête? De couleur violet. Il y a beaucoup de vent. Ah. Fichtre ? Oui. Fichtre, diantre. Diantre fichtre. On the road again, again, oh, on the road again, again. Bing. T'es planté ? Dans le panneau. Ah non, c'était but, mais tu te fais juste instant arrêter, c'est moins drôle que ETS, tu peux pas renverser. Bah attends, moi je vais faire un tour au magasin avant d'y aller. Parce que... Au magasin. Magasin, j'ai même pas vu. Si jamais il y a des trucs intéressants à piquer avant Nash. Ça y est, tout de suite. Sur la route encore, encore. Bon, ça c'est de la merde. Et là. Furieux, furieux. De la merde. Allez, furieux, chasseur. Il y a que de la merde. Ok. De la tunasse. Oh, dans le décor. Elle est morte ou pas? Non, même pas. C'est bon, tout va bien. Tout est bon. On a tué le...
Je sais pas comment ça s'appelle les véhicules dans Halo. C'est le robot qui dit laissez-vous massacrer sans résister, on sera reconnaissant, tout ça. Je te laisse défendre le sage, je vais fouiller les cartons. Des munitions et des munitions. Hop, on s'en fout. Sûr que le robot a été abattu, j'ai l'impression qu'il a filé sous le pont. Oh, il y a un super coffre là au-dessus. C'est possible. Et là, ce que je vois, c'est que là, il y a encore un marchand. Mmh. Vas-y. Moi, je reste. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Oh, je suis craint. Des armes reluisantes. Oh. C'est juste un marchand de munitions. Ok, on s'en fout. Marchand de munitions. Le Molly One prototype. Oula, oh, c'est nom de fou. Alors, vous avez trouvé ce coffre là? Il y avait des choses intéressantes ou pas? C'est con, je peux regarder l'inventaire dans le pulse pile. Il y avait un sniper vert, 501 de dégâts, 95, 5, disons, un précis de cadence de tir. Et attends, pourquoi ça n'a pas le même? T'as fiché là. Vicious sniper et l'autre. Pioli KSM. Ah, il y a un problème là. Houston en a un problème. Bizarre parce que l'histoire de prototype, je sais pas quoi, c'est pas marqué. Ouf. Vas-y. Ah, plaf. Et là, c'est bloqué, j'imagine. Zone de non-passage. Ça c'est con, t'as tapé le poteau. Ouais, c'est pas grave, les deux premiers je les ai eus. Ah merde, c'est pas l'endroit. T'inquiète, je vais descendre. Ouh. Ah non, c'est bien l'endroit. Et bien l'endroit par là. Ah brutal. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Mais qu'est-ce donc cela? Quelle étrangeté. Que qui, que quoi mon caisse? Tout à fait. Pas assez de réponses. Mais que signifie? De toute façon, je vais tirer sur des tonneaux. Ah, mais c'est là. J'attends que vous passiez et je tire. Je sais même pas ce que je ramasse. Bon, ça fait rien du tout. Ah, mais les balles qui passent à travers, ça me saoule. Hein. Oh, c'est quoi ça? J'ai de là, tu me lâches. Attends, c'est pas le pupitre des champs de force, ça? Je peux pas. Mais il fait mal, c'est qu'il fait mal le bougre. Il vole! Qu'est-ce que c'est que ce. Ok! Ah, je peux pas cacher le truc. Ingénieur brutal. Tellement étrange. Quelqu'un est à terre, non? Oh le vilain! Ah, là, pas du bien. Ouais, enfin, là, le loot, il tombe dans le néant, donc... Aïe! Qu'est-ce qu'il me dit dessus? Il y a un vilain qui m'a fait bobo. Ce salaud, il se régénère. Grenade, oh la vache. Oula, il y a du monde du côté du petit Seb. Je vois pas de quoi tu parles. Le carnage. Ouais, c'est un carnage.
que c'est bien cette arme, ouais, c'est vrai. Faites gaffe aux soldats infirmiers qui déposent des valises de sang pour leurs alliés. La 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 la, j'aime bien Charlie Fouille. Non, je suis trop loin, je suis en sniff, je suis tristesse. Non, j'ai loupé mon saut. Oh, attends. Non, c'est horrible. Une arme de merde, c'est parti. Ouais, mais faut le thé, il a ramassé. Hein. Fichtre, vous êtes pas là. De la merde. Je vais juste ramasser une, ça sera de la thune. Ouais, ça sera de la thune. Oh, de la merde, je ramasse. Je ramasse tout. Je ramasse tout. Ouais, faut désactiver le champ de force là, ouais. Attends, mais par où vous êtes passé? Je suis perdu. Y'a un super craft, la mâche. Oh, ouais, j'ai vu, mais y'a des hommes volants. De la merde. C'est des pigeons! Ouais, c'est bien, j'ai pas dessus, mais je suis en bas. Bonne de place, soldat, pour le sage. Il faut que tu rentres dans le bâtiment pour sortir de l'autre côté. Oh oui, alors. Actionnons la commande. Je peux passer à la suite? Oui, vas-y, vas-y, vas-y. Attends, je vais prendre le truc du sage et je lui donnerai. C'est simple. Ah, Mickey. Oh, on a oublié une petite boîte avec des sous-sous dedans. Bah, il y a tellement de boîtes et tellement de monde aussi. Tiens, il y a encore une autre boîte. Mais j'en ai assez de chouchou. Oh, y'a un maxi coffre là. Vous êtes tous redescendus? On arrive. Hop. Non. Oh, c'est non, plus si. On va mettre un coffre comme ça et mettre ça comme objet dedans. Non. C'est nul. C'est nul. Ramasse tout, Ramasse tout, je vais tout ramasser, t'inquiète pas, mais c'est nul. Allez, vas-y, de toute façon, c'est que de la merde. Allez, hop. C'est de la merde quoi. YOLO. Plus les coffres sont gros et plus c'est nul. Oh! Mais! Voilà. Le véhicule d'une ancienne. Mais descends là, c'est ma voiture! Carjack! Le véhicule d'une ancienne. Dégage, Nayone, c'est ma voiture. Non, mais c'est la voiture du. Elle est derrière la non, tienne. Non, c'était la mienne. Ah, je m'en vais, allez, je me tire. Ouais! Ah merci, enfoiré! Merci, coincé. Ah, c'est la guerre là-dessous. Là, bah c'était les mêmes couleurs donc je comprenais pas. Enfin, bon. C'est fini de se poser la plateforme sur laquelle je me trouve. J'ai la plus bloc moi maintenant. Oui, j'arrive. Ah. Il faut... Ah, c'est bon. Je suis monté dans le véhicule à l'arrière. Hein. Vas-y. Oula, attends, je vais Il dit que t'étais interdit de conduire, Maïd. Oh. Ah bah. Ah bon. Voilà. Bon. C'est de l'autre côté, hein, les gars. Ici, le tu vois la porte de l'autre côté. Ah, mais non, c'est là la porte rouge. Excusez-moi. Qui s'emmerde sur cette planète. Qui pue comme des hémorroïdes frites de la graisse. Ou c'était les deux mêmes couleurs, je dis, oh, pas d'importance. J'avais envoyé Steel pour régler notre petit problème. Et aussi parce que. Comme le jeu est à moitié communiste. Elle est bavarde, putain, mais bavarde. Général Nox. Jamais le soleil ou quoi. Bref. Enfin, merci d'en avoir parlé. Tu me racontes sa vie, rien à se mais il faut quand même que je vous tue. Allez, salut. Ah merde, j'avais pas vu. Mais. Le con, mec, je tire. Oh, mais quel con. J'ai un accident de véhicule. Ah, ouais, j'ai pas réalisé qu'il y avait un ennemi. Donc on est tous les deux par terre. On arrive. On arrive, on arrive. Oh ben. Bon, je peux en sauver qu'un sur les deux, hein. Monsieur le petit Seb. Putain, mais j'arrive pas à voir de bouton. T'es coincé. Aïe. J'ai pas compris. Attention, une mauvaise utilisation. Eh merde. Bon. Ok, vas-y, je te laisse conduire, petit Seb. Je sais pas si t'es là encore. Putain, près de 100 000 dollars, j'ai perdu. Oh la vache. Merci. C'est passé quoi là? Bah, les drones. Les sons sont terribles. Je vous remercie pour votre soutien. C'est fait sous Mais
Non, je suis pas mort. C'est quoi, c'est... Comment ça, en construction? Mais je suis pas mort. Aïe. C'est la cata. C'est la cata. Il est où le vilain qui m'a tiré dessus? Je le vois pas. Il y a un vilain qui m'a fait bobo. Ouah, ils vont nous piétiner. Ouais, c'est... ce carnage. Oh, attends, je vais te sauver. Ce carnage. J'ai dit que je détestais ce DLC. Bah... ouais, j'avais pas dû le dire encore. Non mais, excuse-moi pour la voiture, hein, je faisais ça pour plaisanter. C'est ça pour plaisanter, tu sais. J'ai bien fait de dépasser mon fric tout à l'heure. De quoi tu parles? Je parle de la voiture qui, que je t'ai piqué. Oh. Ok. Mais voilà, mais j'ai tout à l'heure, en plus, je me suis planté, j'ai oublié de tirer parce qu'il y avait des mobs. Je propose d'échanger les anciens ensemble. Merde. Oh la vache. On n'a pas le temps, je pense, de décider de qui fait quoi. Ok. On voit les mobs. Je comprends mieux ce qui s'est passé, ok. Ah, c'est pas si je tire. Et si je tire, parce que tout à l'heure j'ai paralysé que c'était un. Au secours. J'arrive, je m'occupe de DJ Psycho. T'as déjà shieldé. Ouais, en train d'en faire, on a compris. Voilà. Oh putain la vache! J'arrive! Quel enfoiré! Bon, attends, tirer, ça serait une bonne plus efficace. Ouah, c'est quoi ce carnage? Ouf, voilà qui est mieux. Allez, bon, encore derrière! Je vous rappelle que toute caresse, tout attouchement, toute avance ou autre demande affective. Et merde. Non, mais. Ah, c'est quoi cette merde là? Qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est la cata. Nous serions reconnaissants et cela faciliterait les voyages. Non, mais ici, à pied, c'est mort. Hein. Il faut vraiment un véhicule, hein, spot. C'est, On va même pas tirer. Par contre, ça serait bien de nous relever avant de vous tirer avec le véhicule. Attends, la prochaine fois. Oui. Hop, on est mort dans le véhicule tout à l'heure. Je suis avec qui là? Je suis avec Nash. Ah, le carnage. Tiens, le sage, si tu veux monter. Non mais... attends, c'est la guerre, là. Mais c'est ce que je viens de dire, ça sert à rien de se battre à pied. Bah t'as ton micro à couper ou quoi? Ah non, tu l'as dit. Oh bon, là on l'a retourné donc on est tranquille, mais. Voilà. Je veux ces armes. Arrêtez de me pousser. Ah, j'ai pu taper là. Mais j'avais pas réalisé que c'était des mobs qui ont fait du. Tu veux lancer le TP? Oui. Quelle heure il est? Je peux pas lancer le TP. C'est bon. Voilà. C'est fait. Ah, c'est des mobs là. Non, y'a pas de mobs. Je vais te mettre au parfum sur Moxie si tu la connais pas déjà. C'est une nana pas banale, elle aime les feux de la rampe, mais elle est pas aussi tarte qu'on croirait en la voyant sur scène. Au fait, c'est ma mère. Quoi? Alors tu la traites bien ou je t'enterre avec mon Lucky? Ouais, je l'ai buté. Fais pas comme si tu savais pas. Je t'avais dit que je le ferais. D'accord, Moxie est la mère de Scooter. Ouais. Wouh! Raccourci, Dayonet. Raccourci, dans l'eau. Quelle eau? Y'a pas d'eau, là? Ah non, j'ai cru. J'ai rêvé. Alors, attendez, les bazookas, ils sont plus efficaces que sur la petite... sur le premier véhicule. Non seulement ils sont auto-guidés, mais en plus... Ah, y'a du monde, là. Oh là, vite, on sort de là, parce que le véhicule, il va péter. Je descends. C'est mais je voulais pas sentir. Je voulais pas. Descends du véhicule, mon coco. Ah, merci. Mais se battre à pied, c'est pas non plus. Non, mais là, mec, c'est un filet. Là, j'ai aucune précision. Le véhicule qui se retourne tout seul. Allez! Ah ouais, non.
Il est possible. T'as vu comment ils mangent tous. Ah ouais. Je sais. Mais. Mais sérieux, on est hors véhicule, on est nul. Bah là ici ça devrait aller. Mais c'était avant, quand on était sur la route. Ouais, parce que là, ça marche pas les véhicules, j'ai essayé. C'est terrible. Quoique. Ah non, j'ai cru. Ah vas-y petit sel, ouvre les casiers. Oh. Ouf. Ah parce qu'il faut rencontrer la mère du scooter, d'accord. Moxie qu'on a raconté. Tu montes le sage. Ah pardon, attends, je fouille un dernier monticule et j'arrive, petit Seb. Hop. Je suis à bord. Merci. Ouais, c'est le moment du jeu où moi ça me gave de fouiller, de farmer les ressources parce que de toute façon c'est que de la merde. Et c'est immense en plus. Ah bon? C'est très mal. Bah, le terrain de jeu. Le terrain de jeu est immense. Oui. Bah c'est jeu, c'est, on progresse moins vite. Ouais. Ah, oh, c'est quoi toute cette roquette? Ah, oulala, j'ai vu un truc, c'est... Ouais. Ok. Doit y avoir un bot. Quelque chose. J'assure, je... Ouais. La vache. Oh, c'est quoi ça? La vache. Merde, je suis tombé. C'est samouraï. Je suis un peu hors combat parce que je suis descendu. J'ai fait un saut et heureusement je suis pas tombé dans le vide. On a planté le véhicule. Mais LOL. Qu'est-ce qu'on a tapé là? Je peux pas passer. Ah, c'est une assassin. Elle fout mal. Gaffe, t'en as encore un ou? Eh merde là. C'est bon, il a plus de bouclier. Je crois que c'est elle. On s'en fout. Aïe. Elle gigote beaucoup trop, hein, vache. Le mode tard dans sa gueule, elle va moins gigoter, tu vas voir. J'ai mis 9 mm entre... Ah, j'ai eu un coup de catapulte dans toi. Le dos. Soigné, merci. Bien joué, Nash. Non, mais... Alors bouge tes fesses. Ah bah d'accord, en plus y'a un brutal dans le dos. Ah, il vient. On a un c'est bon, on l'a eu. Ouais. Ah, il y en a encore une. Ouais, il y en a encore. Pourquoi les grenades de munitions sont aussi faibles? Putain. Elle est morte comment? Je lui ai mis une balle dans la tête. C'était très très violent. Yala. Ah, mais c'est un boss, d'accord. Et c'était la fin, de la... Et c'est le boss final de la DLC. Oh la vache, je suis pas sûr qu'on soit au bon endroit. Ça ricoche, ça fait des étincelles. Attends, je vais faire un truc, je vais me mettre en colère. Je l'incendie aussi, allez hop. Ah, elle a flambé comme un vampire. C'est le lionnet qui cause bien des dommages. Ça, c'est un butin de rêve. Cuisine merde, non, je prends. J'ai trébuché de la fusée. Tiens, un pompe. Il y a un pompe. Ah, j'ai même pas vu. Ouais, ça va être de la crotte, à mon avis. Bon. Ouais. C'est un peu mieux, ça fait un peu plus de dégâts, mais c'est basique. J'arrive pas à sauter. Monsieur Shank, c'est vous? Si c'est vous, je vous ai déjà dit que je ne veux pas de votre argent. Ah, c'est toi. Pour toi, pas besoin d'argent. Oh, j'arrive. Oh. Oh, 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 oh. Ben, je connais un scooter qui va avoir un petit frère. On va l'appeler Moby, Let. Reste pas dehors. Un petit frère Moby et une petite sœur Let. Un kidnapping, c'est jamais très propre. Shank a forcé ma porte et il a emmené Miss Athena faire un tour.
Elle s'est bien défendue, la petite chatte. Elle l'a griffée. Ils exagèrent quand même avec ses atouts naturels. Monsieur Chang, oui. Il veut le paquet qu'Atlas a mis sur la belle petite gueule d'Athéna. L'ennui, c'est que pour la récupérer, faut être un as du volant. Enfin, heureusement, je vais te donner un petit coup de main. Oh, la nudité, hein. La nudité. Aïe. Une espèce de tremplin naturel. Honnêtement, moitié moins, ça aurait fait très classe et tout aussi naturel. C'est dans l'exagération, évidemment, Bordel. Bah, oui. C'est comme ça. C'est comme ça. Moi, ça me dérange pas. Hein. Elle nous cherche quoi au comptoir, là, madame? Vous avez des... Ah oui, ça a des trucs. Est-ce qu'elle parle? Ah, une mission. J'ai pris la mission. Ok. Surprise. Alors, attends, est-ce que j'ai pas shippé des trucs qui pourraient vous intéresser? C'est possible. Alors, attendez, je vais de merde. Vu la merde qui se loot, ça m'étonnerait. Hein. Je sais pas, mais je jette. Je vous laisse regarder. C'est un peu Noël. La précision et la cadence de tir est moins bien. La précision est un peu pont, on s'en fout un petit peu en fait. Oula. Ah putain, la précision, c'est vraiment au corps à corps, quoi. Mais au moins, c'est plus efficace. Quoique c'est le même niveau. Puis il est blanc. Oh non, c'est... C'est de la crotoum. Bon, bah, je vais tout vendre. C'est génial. Oh, moi, le peupon est meilleur, là. Oui, faites-vous plaisir. Attends, Nash... Ah! Oh, pardon. Je voyais que ta barre de vie était pas top. Ah, ça sera mieux pour mon groupe. Voilà. On recharge. Que j'aille mieux. Une roquette dans le fion. C'est ça. Ah, c'est bon, tu peux récupérer. C'est bon, ouais, tu peux récupérer. Tout le monde a choisi ses joujoux. J'ai pas choisi mes joujoux. Ah bah, regarde les joujoux qui restent, Mignonne. Fais-toi plaisir. Prends pas trop de risques. Salut. Machine gun. SMG, ouais. Peupon. J'ai fait de circulation. Parce que ça a forcément mieux ce que j'ai vu que je fais pas de peupon. Alors, je pense que c'est vraiment violent. C'est marrant, il y a le chapeau de nouilles derrière. Chapeau DLC d'avant. De ça fait plus de dégâts mais moins de précision. Ouais. Cadence de tir moins élevée, donc par deux fois moins élevée. Donc ça va deux fois moins vite. C'est pas le DPS. Ok. Ah là là, sacré Moxie. Achetez à la place et sentez toute la puissance des mines entre vous. Il a l'air un peu mieux. Ah, il est niveau 31. Ouah, c'est de la crotte. Alors, attends, fais voir. Celle-là, il y a un... Ouf. Alors celui-là, il augmente plus. À bientôt. Qu'est-ce qu'il y a, mon Qu'est-ce que tu veux? Il reste un flingue et un lance-roquette hein, sur une table. Je vais chercher. Pour une flingue et un lance-roquette. J'ai pas vu, mais j'ai 50 notes de grenade. Faut que j'en vende, moi. Faut que j'arrête. Oulala. Ah oui, mais c'est x3. Ça fait 3000, donc. Ouais, donc... Vous avez tous des boucliers qui montent jusqu'à 500 de capacité, on est d'accord. Je vais te dire ça, j'ai un bouclier à plus de 500. Le mien il fait 812. Très bien. Le mien il est à 737. Bon bah c'est bien. C'est ça, c'est bon. J'en ai un à 762, petit Seb, dans mes affaires. Bravo. Comment ça va? Ah, 762, ça va, je veux bien. La cadence de recharge elle est à combien? 76. Alors, ça c'est mieux. C'est, pas mais, c'est un pangolin. Ça fera. Waouh, j'en ai des choses. L'autre, tu veux pas du coup? Ouais, vas-y. Hop. Je suis l'homme bouclier, j'en ai vendu 10 d'un coup. Ça fait peur. C'est un pangolin que j'ai aussi. Alors... Quelqu'un veut un bouclier j'ai 737 un... Oui, oui. S'il te plaît. Alors, du coup, je suis à 1424 de bouclier. Ouais. Cette scène morbide, quelle idée de s'appuyer sur un cadavre ensanglanté. Non mais elle est sérieuse.
Oh, les nerfs sont pourris. Oh mon dieu, cette femme est dangereuse. Le sage, t'as besoin, t'as besoin d'un bazooka à 1700 de dégâts. 1700 de dégâts, ouch. Une roue. Ah, je veux bien, le mien fait 850. Vas-y, vas-y, je l'ai mis par terre. Miggy, Miggy. Moi, le mien, il fait 1400, mais j'ai un x4 en élément feu. Ouais, ok. Oui, attends, alors, attends, j'ai x4 en élément feu aussi, mais ça peut être sympa, je vais garder les deux. Attends, je regarde les niveaux, si c'est marqué 31. Comment qu'il présente ce lance-roquette ? Encore besoin de moi, mon chou ? Oh, il est circulaire. C'est rigolo, ça change. J'aime beaucoup le travail qu'ils ont fait sur les armes. Un très beau travail de modélisation. Oui, c'est chouette. Bon, le vendeur, c'est que de la course. Laisse-moi deviner, sa boisson favorite, c'est le Bloody Mary. Bloody Moxie. C'est ça. Ouch. Oui. Oui. Ouais, ça, je vais le vendre. Les gars, the floor is lava. Pas toucher le sol. C'est bon, je suis sur le tapis. Personne n'a besoin d'un bouclier à 688, on est d'accord. Bah, le sage, t'as quoi comme bouclier? Mon bouclier, il fait 523. Bah attends, je te donne celui-là. Ah bah merci, décidément, tu m'auras fait monter en gamme, Lyonnais. Ah, vas-y, bah, c'est grâce à vous. Du coup, on fait pas chasser entre les armes. Ouf, ah oui. Oh, mazette. Extraordinaire. Ça, c'est ça sert toujours quand qu'on ramasse les armes, peu importe qui les ramasse. Parce que là, ça en fait marcher. C'est bon. Alors, moi, je vends juste le bouclier précédent. Voilà, je suis prêt. Un verre de Bloody Mary. Ouais. Un verre de Bloody Mary. Ouais. Ah, riche coffee. Ça. La 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 la. Dear Profinder. Bonne pour ta prochaine aventure. Alors j'ai téléchargé le numériprod sur le système de l'autolock. Tu devrais pouvoir t'en faire un quand tu veux. Mais sois prudent. Comparé au monstre, ce truc, c'est aussi solide. Oh la vache, ça a explosé. Toujours aucun dégât. Eh, hey, on l'a fait le gros là. J'ai rien fait. Voilà, c'est bon. On retourne en arrière. Il aurait été suivi. Oula, oui, Nainé, oui, parce que là, c'est quoi cette quête? Attends, il est survivre aux hommes, en tuant leur chef. Ah oui, bizarre. Allez, je crois. Ça fait plaisir. Pas mes coups critiques ont littéralement explosé les corps entiers et pas juste la tête. Je me violage. Non, je te jure, ils explosent, mais littéralement, ouais. Complètement. Oui, ton, oui, c'est, t'as ton fusil et j'ai vu que ça fait des, ça a explosé des cadavres, c'est ce que j'ai remarqué, ouais, tout à l'heure. Ouais, ouais, tout à fait. Attends, alors moi j'ai déployé un véhicule. Oh, je vais conduire. Baroudeur là, je l'ai fait trafiquer un peu par mon petit Scooty. Un véhicule jaune et un véhicule rose. Ouais. Ah, tiens, t'as pris un, vous avez pris l'ancien véhicule, allez, celui qui est moins. Moins résistant, ouais. Et plus agile. Est-ce qu'il y a les missiles autoguidés ou pas dans ton véhicule? Ils sont pas autoguidés, mais par contre, la visée elle est plus sympa. Mm-hmm. J'ai horreur de lance-roquettes du gros véhicule. Ah, moi j'aime bien, t'as tu cliques et ça envoie une. Le machin il tire en haut. Attends, on fait quoi là? Je comprends plus. Allez, prendre la route là-bas. Oups. Vas-y, d'ailleurs, j'arrive. Tu tiens le voilà. Oh, il y a du monde en bas. Attention, d'ailleurs, du grave, je vais y aller. Donc vas-y, c'est du missile auto. Ah merde. C'est pas connu, je... Lionel, à vous de... Pourquoi ça. Ah putain, il raccroche le volant. Hein. Enfin le. C'est parti où les copains. C'est mieux comme plus... arme. Est-ce qu'il fait plus de dégâts ce véhicule. Ça, c'est une mine. Ah tiens, tire dessus le sage pour voir. Ça marche. Voilà ce que ça fait quand on se fait rentrer dedans. Je sais pas si t'as vu Pissep, mais derrière on a le. On a un aileron avec Moxie.
Oui, parce que c'est sa voiture à elle. Elle nous demandait de prendre celui-là, en fait. Ah, ah, ok. J'ai pas suivi le truc, moi. Et justement, c'est pour ça qu'elle disait de faire attention. Et c'est pour ça que Scooter disait de faire attention, puisque par rapport au monstre, c'est beaucoup moins solide comme. Il y a un cachet derrière. Mm-hmm. Et ça, c'est quoi? Juste des mines. Ok. Quelle imprécision, croirait les tanks de Halo 1. Les mitrailleurs des plombs. Je suis d'accord. Alors, faut aller par où? C'est par où la fête? Je sais pas où la fête. C'est bizarre, il y a une bombe de sauvegarde. Bah, okay, en fait, faut faire, il faut qu'on retourne sur le. Tu prends de l'élan, ok. Faut qu'on aille à gauche là. Tout droit. Wouhou. Ah non, Un parcours de rallye. Pour remonter, c'est forcément par là en fait. Aïe. Ouais, c'était pour le spectacle. Faut qu'on passe sous le pont qui est cassé de l'autre côté. Le pont cassé. Ok. Ouais. Là, sur ta gauche. Voilà. Roule sur la mine et on explose. Bien. Ah, du coup, après, on revient sur le truc. Je tourne avec les flèches. Oh, il nous a retourné le bougre. Oui, accident. Mais non. Oui, re-accident. Oui. Sens. Le code de la route, bordel. Quel code? Il n'y en a pas ici. Là, ici, c'est le même code de la route que dans Mad Max. Oui, c'est. Il n'y a pas de priorité à droite. C'est priorité au plus puissant. Fais gaffe quand tu fais ça. C'est Darwinien, priorité à moi. Je vois absolument pas de quoi tu parles. Oh, mais elle est encore plus rapide qu'avant, la bagnole, ou comment ça se passe? Oui, elle est modifiée. Par le fils. Parce que va y avoir un jump à faire à un moment. C'est pour ça. Ah, et puis avec un TP. Du coup, j'ai pris le mauvais véhicule, ok. Un saut de fou en fusée. Ah, tu peux changer là si tu veux. Ah, attends, je vais descendre. Ah oui, alors. Que de la merde. Et que de la merde. Que la mouille. Racer qu'on doit prendre. Oui, y a pas de choix. Oui, c'est le racer. De toute façon, t'as le choix que entre le monstre et le racer. Ok, avec une moxie. Donc je comprenne en fait qu'il fallait faire un super saut. Merci de l'avoir dit. Ça aurait été drôle d'être bloqué. Nous sommes prêts. Oh la bing. Ça va Pardon, je voulais juste avancer, monsieur. Mais... Pardon, ah, je sais pas conduire, c'est le code de la route, c'est de l'auto-tamponneuse. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Il y a un succès avec les tamponnements, hein. Même quand on fait basculer quelqu'un de l'autre côté de la... dans le vide, ça fait aussi un succès. Ouf. Oui. C'est moi, le coup est parti tout seul. Ok, allez. On dirait qu'il faut qu'on tombe. Oh non, non, non. Oh, il est rapide le véhicule. Vas-y, sage. La vache, on va s'en prendre une, on va mourir. Ah ouais, non, mais c'est violent. Ah oui, génial, un véhicule pour le chameau. Comment qu'il a giclé. Mais tu vois, t'as un succès de détruire ces véhicules-là avec les véhicules qu'on a donc. Mmh. Ouais, sinon, on speed jusqu'à l'objectif et puis on descend et. Oui, speedons. Mais on va mourir, nous. Mais non. Donc, notre véhicule est presque 3 quarts pété. Ah, oh, mais je sais pas conduire en fait. Non, mais le nôtre était pété à plus des 3 quarts. Hein. Faut speeder.
La société Atlas souhaite attirer votre attention sur sa gamme très complète de produits d'assurance. Oh, j'ai du mal, hein. Oh la vache. On va intervertir nos places si tu veux bien. Vous prie de coopérer. Oh. La prochaine fois, à mon avis, je tiens le volant, excuse-moi, mais là. Pourquoi on n'y est pas allé à pleine balle Parce que on n'a pas le monstre et que j'avais pas envie de péter le véhicule sur. Vas-y, le sage, je peux monter à l'avant si tu le souhaites. C'est super! De mes capacités de m'améliorer au volant. Et qu'on a un objectif par là-bas. Mais c'est un pistolet! C'est un peu Noël! Un 9 mm qui cause des explosions. Qui l'aurait cru? Merde, c'était de l'autre côté. C'est un pistolet de collection. Poil aux oignons. Oh la mon dieu, qu'est-ce que j'ai. Oh putain, mais Nash, il est déjà en train de défoncer tout le monde. Ah oui, bravo. Ah. Je sais pas, je suis l'objectif. Nash, le mob. Ouais, non, mais nous, c'est qu'on a tué les mobs qui étaient en bas et ensuite. Mais. Ouais, mais en bas, il est déjà mort. Je sais pas me diriger. Oh. Ah bah non. Lâchez-moi le. Va charger. Non. Toi, tu vas mourir. Je suis contre un garde. Bien, j'ai activé les gars, ouais. Voilà, bien joué. On a gagné un bouclier. La 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 la. Ouf, ce pistolet mitrailleur. L'accès, il était sympa. Que les soldats HM soignent. Ce pompe est très bien, le seul inconvénient c'est qu'il n'y a que deux balles. Ah les deux. Mais... Non, alors là non, je suis planqué derrière le truc, sans déconner. Est-ce que tu peux le sauver, petit Seb? Je suis déjà en train. Oh merci. Oula. C'est des choses. Je t'ai relevé parce que c'était un brutal, alors il y avait de fortes chances que tu n'aies pas le temps de tuer. Voilà. Il y a un bonbon derrière lui, je crois qu'on peut tirer dessus. Ouais, il s'est retourné là, on peut tirer dessus. Ah, je les ai pas visé moi. Voilà, c'est bon, on l'a eu. Bien joué. Qui tire dessus? C'est que ça, je prends ça, c'est de la merde. Ça, c'est ah, de la c'est merde. Le niveau de là-bas. Ah, moi je passe tout ce qui passe à portée de mon viseur. Hein. Oh. De toute façon, c'est que de la merde. Oh, joli. Ah, faites gaffe, on se dirige vers un boss. Hein. Sérieux? Oui. Ouf. Pas grave ça. Ah, c'est censé être le cas. Ah, on est recherché! Tiens, bizarrement là. On va poser la question comme dans One Piece. Notre tête est mise à prix combien? Pourquoi Lilith, ils ont pas mis son visage sur la vie de recherche? Par contre, il y en a qui rapportent moins que les autres. Non, c'est plus que les autres. Qui rapportent plus que les autres. Ok. Donc vous allez vous unir contre moi et bim, me vendre. Bah, on peut très bien dénoncer chacun un autre, et puis hop, on se fait du fric, et on se casse avec le magot. Enfin, sur celle de Nash, c'est marqué un autre million pour cette salope ennuyeuse. Quoi? Regarde ce qui est écrit en rouge en anglais. Another million for that annoying bitch. Oui. Putain. Moi, je sais pas pourquoi ils nous mettent d'aller là, mais c'est, ça doit être pour rendre la quête. Mais... Bon, bah tant pis, on a fait de l'XP.
C'était pour le plaisir, on va dire. C'était pour le plaisir de voir les avis de recherche. Les avis de recherche. Buggy d'ailleurs. J'ai le Psycho, je t'attends. Mais excuse-moi, je suis en train de voir encore nos avis de recherche. J'arrive. Je laisse conduire, hein, parce que vraiment t'es pas situé de ma conduite. Alors, on va voir si tu débrouilles mieux. Petit Seb. Alors, ce que je te propose pour voir si c'est tellement. Il y a un temple. Hein. En fait, c'est le propulseur qui est un peu galère à manier. Oh là. J'ai vécu, vraiment, je suis venu avec le sage. C'est quoi, bah, parce qu'il y a tellement de vitesse que dès que tu tournes à peine ta vue, ça part vraiment dans tous les sens. Merci pour le leurre, c'est bon. Ce véhicule est insane. Oh là là. Faut pas que le sage a d'expérience sur le jeu de conduite, hein. Ah ouais. J'ai parlé peut-être un peu vite. Mais c'est pas évident non plus de conduire avec uniquement les souris c'est et les flèches en même temps. Il fait demi-tour. Marcus, il a dit qu'il avait une quête, alors j'ai pas envie. Je l'ai pas entendu parler. Bah, moi aussi. Je sais pas. Et on est mort. J'aimerais courir, s'il vous plaît. J'aimerais courir. Le sage fuit de l'autre côté. Eh bien, j'arrive, mais je vais me faire tuer. Attention, une mauvaise utilisation des drones peut entraîner une survie accidentelle. Ils sont chiants. Ah, bah, juste. Vas-y, prends le temps de les avoir. Mais il est où, déjà? C'est bon, j'ai eu un coup de poing. J'ai eu un robot volant. Bon. C'est trop dur. Je vous rappelle que toute caresse, tout attouchement, toutes avances ou autres demandes affectives sera aussitôt signalée aux ressources robotiques. Apparemment, on peut les one-shot avec la tête. Enfin, les faire plus de dégâts critiques avec la tête, pardon. Bon, on s'en est sorti, il y avait 5 drones sur nous et ils ont cassé notre véhicule. Bah, on continue à pied. J'ai rien contre la marche, Nayonet, tu le sais. Quelle direction? Là-bas. Bon, attends, on fout le camp. Vas-y, on se tire. Ils peuvent pas l'infini, en fait, les sages. Oui, bien sûr, va mourir, toi. Dommage qu'il soit tombé dans les limbes, parce qu'il y avait des trucs à récupérer sur lui, mais... Mais je le vois pas, mais il est où, Marcus? Grenade. Il est où? C'est une quête qui est pas ici? Ou c'est un bug que j'ai eu? It's a bug, big. Alors, cette course à pied, Nayonet. Ah, il est là. C'est chissant, hein. Ah non, il a bien un... 1, 2, 3, 4... De 15 à 200 mètres. Ah bah on peut invoquer un véhicule, genre on invoque. Ah bah un, voilà, location d'auto, quoi. On va l'arranger, ta tire. Des marchands de merde, ouais. Ouais, je vois ça. Je grimpe. Déprimé. Ah, incendiaire à soumission. Attends, sans... voilà, c'est ça que je voulais. Boîte avec des chouchous. Il y a des boîtes avec des chouchous. On a un véhicule. Ah, mais c'est le véhicule des... Si je prends le véhicule, je vais me faire taper sur les doigts par... par certaines personnes. Faut pas que je prenne le volant avec le sage. Faut pas que je prenne le véhicule de petit Seb et Nash, je sais pas. De quoi tu parles? Bah, au niveau des véhicules, je peux pas faire n'importe quoi. J'ai pas le droit de conduire avec le sage et j'ai pas le droit de prendre le véhicule de petit Seb. C'est important à retenir, hein.
Non, mais t'es interdit de conduire sur Borderlands. Il était trop dangereux. Il n'y a pas le permis. J'ai le droit de jouer ou pas? J'ai le permis par d'armes avec vous ou pas? Il n'a pas le permis, il a l'interdit seulement. Oh, Kizako. Oh, vache. Oh mon dieu. Où est-ce qu'ils sont les trucs de véhicules, nom de Zeus? Banque. Bah, ça n'a pas de sens. Oh putain. Mais pour remonter, je fais comment? Bah, j'aimerais bien. Ah, c'est truqué. Mais où est-ce qu'ils sont les volants? Non, ah, merde. Mais, c'est pas vrai? Ah, c'est là. Ce jeu est truqué. Normalement, c'est là. Bah, c'est où? Ah. Bordel. Mais le véhicule est déjà sorti là. Oui, mais c'est le mauvais véhicule. C'est pas grave ça. Mais c'est en dessous, c'est à l'intérieur du truc de scooter. Hein. Ouais, mais c'est fermé de partout. Mais non. Bah non. Oh, j'ai fait comment tout à l'heure pour sortir le véhicule? Il a ouvert les portes. Bah. Va à l'intérieur. Spawn le véhicule. Mais j'aimerais bien rentrer. Là. Ici. Et... Ah, la porte est là, merci. Ici. Moxie est la mère de Scooter. Qui est le père? Tu veux vraiment... Étant donné qu'elle a tué ses trois premiers maris... Oh merde, c'est vrai, j'avais oublié. Alors, on n'a jamais dit que c'était un de ses maris, son père, aussi. Oui, oh parce que si tu sais, écoute, je le cherche. C'est pas faux. Moxie a trempé dans à peu près tout. C'est pas plutôt à peu près tout qui a trempé dans Moxie. Ah oh Je suis là, le sage, viens, voilà. Monte. Vas-y, vous n'allez pas poser la question, le sage. Hein. Oh mon dieu. Des fois, il vaut mieux être ignorant. Ah oui, ah oui. Il vaut mieux éviter de tendre des perches, surtout. Il y en a qui peuvent les attraper. Oh mon dieu. Et Boxy, il attrape à pleine main. Oh voilà, bien. Comme ça. Je me cache. Ils sont rouges de honte. Les grands moments de honte sont très courts, hein, heureusement. Oui, oui, oui. Oh, mais on peut les prolonger si tu veux. Je pense que Boxy sera... ça ne la dérangera pas. Non. Oh, les brigands. Elle a l'habitude. Je peux vous TP? Oui. Encore une pub? Mais c'est pas vrai. T'as dépensé quoi? Jerry. Bon, il va y avoir deux barrages cette fois, je crois. Mm-hmm. C'est pourquoi je me mouille pour toi. Putain! Mais non, mais Moxy, dis pas ça! Et puis, depuis que tu sors de Pandore, les affaires vont mal. Oh bah voilà, c'est elle-même elle le dit. Oh mon dieu. Il y avait plus de monde dans mon club que de bouteilles vides dans la chambre de mon deuxième mari. Et j'ai le temps de dire juste attends, je suis effaré. Je suis au bord de la faillite. C'est sûr, c'est pas nous. Alors je compte sur toi et ta chica. Effaré parce qu'il est déjà joué, effaré par vos réactions. Oui. Nous on y est pour rien. Hein. Bon. Alors, il y a des bandits avec des gros véhicules. Mais... Ouais, c'est qui est mort. Alors, merci, est-ce que c'est moi quand j'ai tiré une roquette? Chouettos. Sauvons-les. Ah merde, ils sont par terre, vite. Je m'occupe de petit Seb. Moi, je m'occupe de Nerf. Ne descends plus de mon côté, mais qui est con ce brick? Aïe. Ouf. Merci. Oh, petit Seb est rétabli. J'ai pas compris comment on fait pour descendre du véhicule du. Du côté qu'on voulait battre, on va y aller à pied. Hein. Je suis pas sûr que c'est possible. Ah, ouais, c'est comme. Il y a une boîte là. Bah attendez, montez dans le véhicule et allez chercher un véhicule carrément, quand même. Comme et ça. Court, c'est les là. Je monte avec le véhicule. Je vais chercher le système. Je vais poker le véhicule. Et là, il n'y a pas de personne qui va critiquer ma conduite. Bah, oui, ah super, t'es monté juste à temps. Non! Oh putain! Une autre là, tu peux critiquer ma conduite.
Allez, c'est trop dangereux, je préfère redescendre. Bon bah je continue à pied, hein. Salut. Pop le véhicule. Je t'arrive. Prends de l'avance. Le propulseur, je sais pas l'utiliser avec cette voiture. Hein. L'aileron est pas assez puissant. Bah vous pouvez vous téléporter dans le siège du véhicule. Ouais, pour ça, faut qu'il soit au truc du véhicule, donc. Ça fait longtemps que j'ai. Quand j'ai joué au jeu. Oh la vache. Vas-y. Attends, c'est le sage. Vas-y, appuie sur C. D'accord. Ah merde, ça fait la carte, moi. Vas-y, appuie sur C. Mais tu vas où, petit thème ? Je vais voir ce qu'il y a en bas. Des fois qu'il y a du loot pas intéressant. J'ai joué à Red Out avec. Un barrage, surtout. Avec Nash, avec Twinsan, et franchement, je me sortais très mal. Quoi ? Ça va un peu vite. J'ai jamais joué à Red Out avec toi. Non, avec Twinsan. J'ai mal prononcé. J'ai le début de ton prénom, mais c'est tout. Avec Twinsan. Mais là. Ah, il y a que dalle, je suis déçu. Pourquoi ? Non, j'y pense, mais je crois que. Oui. Ah bah tu bailles en même temps, le sage. Aller là ? Oui, pardon, excusez-moi. Place s'efforce de fournir le meilleur service de mort. Ah, c'est de l'autre côté, j'avais même pas vu. Bah oui, moi je comprenais plus, c'est bizarre, c'est dans l'indicateur, je vois petit. Ah, mais vous êtes dans le bon chemin, nous, t'es allé voir un truc. Ah, voilà. Non, on fouille les routes annexes pour voir s'il y a des choses. Vous avez raison. Ouais, alors, quand. Attends, va pas trop vite, petit Seb. Y'a du monde. On va s'en prendre une. Putain, mais. C'est pas possible de détruire la voiture, putain de véhicule là. Du coup, on est mort nous aussi. Ah, vous êtes. Bah, Piseb est mort juste avant. Ah merde! À terre. Non, je suis à terre. Oh, je l'ai eu! Bien, bravo. Bien. Et. Allez, activation! On se remet dans Halo quand tu peux pas ramasser les armes. Parce que là. Aïe! Il m'a écrasé le vilain. Attends, il prend. Oui, alors s'il y a le lanceur qui arrive pour mourir dessus, ça va. Oh non, je suis pas dessus, ça m'a instant kill. Même pas à terre. Hein. Tire dessus alors que je suis. Mais recharge pas, andouille. Voilà, je suis revenu. Vous êtes là, les gars? Ah, vous êtes partis? Wouah. Attends, qui c'est qui m'allume là? On est pas parti, on s'est fait tuer et moi ça m'a respawn ici. Alors. Sur la qui c'est qui me tire encore dessus? Ah, il y a lui. Il me fait mal, lui. Mais il fait mal, le bourre. Oh là là, c'est génial. Le chat, il va. Ah, bah non. Oh, c'est dégueulasse. Non mais c'est un véhicule juste gros comme... Ah non mais il va me rouler dessus l'autre. Oh, il y a deux. Il y a des choses ici. Ah, il non. A du mal à tourner. Bah, ça a réinitialisé les coffres. Mais c'est pas vrai. Je suis très loin, loin derrière vous. Très très loin. Mais je ça a pas réinitialisé les coffres, c'est la première fois qu'on vient ici. Ah d'accord. C'est notre première fois. Ah il est mort. Partons d'ici. Et non, vous avez pris l'autre véhicule. Attends. Non mais je vais faire le chemin petit. Mais t'as sur la route devant moi, Nayane, je vais te pousser. Ok, vas-y. Je mets bien au centre, là, sur la ligne grise. Vas-y, je tends l'arrière-train et bim. Fais quand même attention quand tu dis ce genre de choses. Non, je plaisante. Non. C'est une plaisanterie. Ne pas prendre ça au premier degré, s'il vous plaît. Merci. Bah, c'est à prendre. Regarde. Ah bah, tu m'as largué. Merde, oh zut. Ouais, c'est le virage. Ouais, tout ça, on est arrivé alors. On va se pulser. C'est comme si on était toute une équipe. C'est pas leur jour. En ce temps-là. Parce qu'au final, je me dis que autant prendre le monstre pour faire la route et défoncer les véhicules, et puis on prendra l'autre au moment où on en aura besoin. Quoi, c'est le rouge qui m'apparaît? C'est quoi, c'est. Pourquoi ça fait ça? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? J'ai des espèces d'effets lumineux sur mon personnage en bas. Pas terrible. Vous l'avez aussi? Oui. C'est un buff? Vous l'avez aussi, vous aussi? Vous avez aussi des petites billes de lumière avec des flingues, j'en ai pris un au hasard. Je vais en prendre un. Oh,
Moi j'en prends pas. Oh, c'est de la merde. Je prends ça. Ah oui, c'est de la merde. Hein. Bon, attends, je vais tout prendre. Et voilà. Bon, ça se fait que. C'était un debuff que j'avais, ok. Qui c'est qui met dessus? Ah, c'est Milan en face. Il y a un pyromane, attention! Bon, je vais me déplacer parce que là, ils ont. Merde, c'est là qu'ils me dépassent. Oh non! J'ai merdé mon tir là, donc je suis déception. Voilà qui est mieux. Second souffle alors que je meurs, ok. C'est bordel. Oh oui, alors. Ah, je vais mourir. Oh. Le 6, ok. T'es planqué. Oui, je me suis arrêté derrière la caisse pour récupérer. Ah, c'est quoi tous ces trucs là? Ah, ah bout portant. Bim. Qui c'est qui a récupéré dernièrement sur... Ça, c'est un objet de quête. Ça, c'est des grenades de merde. Tu as récupéré quoi? Un cœur de lame. Non, mais dans ses compétences. Un truc de. J'ai récupéré un truc de quête, je pense. Oui, les cœurs énergétiques, ouais. Ouais. Aïe aïe aïe, quoi? Eh merde, ils sont revenus. Ça est coincé. Ah merde, j'ai décoincé en le tirant dessus. Ah, ça c'est petit. Elle m'énerve. Elle m'énerve. Oh salope, elle m'a fait descendre en bas. Oh non, me fous. Mais c'est un des boss qu'on doit tuer alors. Ils sont là, mais ils sont misogynes, au secours. Bah, mais non, mais ça, pardon, ça m'a échappé, je suis désolé. Gros sauvage. Elle est costaud, ça, elle va arrêter de gigoter. Envoyez, elle va arrêter de gigoter, mais il met des claques, tu vas voir, elle va arrêter de gigoter. C'est un mini boss. Elle est en train de taper le sage. En fait, il faudrait tous qu'on se mette tous les quatre au même endroit, histoire qu'elle bouge pas trop et qu'on la vide. Ouais, pour ça, on se met un 4 dessus. Genre, c'est horrible ce qu'il dit. Ah, ouais, ça, merde, putain, pourquoi vous êtes écarté? Elle était bien là, elle était coincée entre nous trois là. Nous 4, je compte pour du beurre. Non, c'était le sage qui était écarté. Ah. Je veux pas savoir ce qui se passe, qui écarte quoi. Ah, on pompe dans ta gueule, confirmé, ouais. Ouais, oh, y'a des pistes au flingue, le répéteur, oui. Vas-y, prenez ce que vous voulez, je ramasserai le reste. Super, il est nul en plus de ça. Ramasse le bouclier. Vas-y, c'est bon. C'est de la crotte. J'ai ramassé une grenade à sous-munition, mais c'est encore une fois de la merde. Putain. Et un jour, on va dire, oh, le truc trop bien. Et par contre, quand c'est un truc trop bien, faut le dire à personne, faut le garder. Puis après, on dit, mais tu ouvres beaucoup de dégâts, toi, comment ça se fait? Justement, faut pas garder, faut partager, qu'on monte tous nos dégâts en même temps, parce que sinon, après, si y a quelqu'un qui fait du dégât, il va falloir qu'il se démerde tout seul. Bah, c'est ce que je fais quand je vais vendre mes armes, je regarde, il y a des armes intéressantes, je les donne, si c'est de la merde, j'y revends. Bah ça y est maintenant les... Oh, qu'est-ce que c'est? C'est beaucoup plus simple. Actionner. Ah bah c'est déjà actionné. Mais oui, de toute façon les armes, au bout d'un moment, même, de toute façon même, si on a des armes de merde, quand on s'en débarrasse, on dit « Ah ça t'intéresse ça », et puis finalement ça sert aussi d'un certain sens. Bon c'est sûr, cela, on fait moins de dégâts pendant une certaine période, merde. Mais... le snipe, je le laisse. Je vous laisse les deux armes. Hop. Et le canon est immensément. Il y avait un truc à toi. Comment ça, un truc à moi? Mode de classe sirène, derrière le gros fusil. Bah, j'en ai un. Ah! Bah, quelqu'un le ramasse. Il y a quoi dessus? Il y a dégâts incendiaires, compétences étincelles, phénix et diva. Oh, rien à foutre, vous pouvez garder. Vous pouvez le vendre. C'est génial! Le sage qui balance toute sa merde au sol. Yeah, bon, allez, je prends ça. Hop là, je me sers. Hop là, ça fera toujours du fric. Il faut que tu vendes un peu. Ah, attends, là, il y a des snipers qui ont l'air sympa. Moi, je regarde les flingues surtout. Faites-vous plaisir. Ok, alors. Faites-vous plaisir. Heure et demie déjà. Oui. Alors on a passé une heure sur l'arène déjà. L'arène qui défoule. L'arène qui défoule. C'est parti. Quel genre de reine?
suis motorisé. Je suis monté, je suis motorisé. C'est bien. Tout de go. Ouais, tout de go, cette expression, c'est un temps que j'ai pas entendu. Vérifier qu'il y avait vraiment un pote. Quatre pistolets de merde, il n'y avait pas de pistopompe. Je tire les roquettes, je garde le bouton droit appuyé, y'a rien à faire en fait, tu vises un peu près au centre. Accroche-toi, y'en a une. Vas-y. Merde, je sais plus piloter. Ouf. C'est extraordinaire. Là, je crois qu'il va falloir mettre pied à terre. La fête est finie. Ah bon, le stream s'arrête déjà? Oh non. Ouais. C'est trop calme. Il y en a qui souhaitent qu'on arrête à midi. C'est comme d'habitude, c'est pour ceux qui doivent aller manger quoi. Ouais, moi je suis dispo jusqu'à 13h30. Jusqu'à 13h parce qu'après il faut manger. D'accord. Mon flingue pour faire sauter les boucliers, c'est l'extase. Oh, il faut tirer sur la bonbonne en fait. Qu'est-ce que c'est que ce truc, l'objet de quête électrique de lance écarlate, bouclier de la crotte, le fusil peupon de la crotte. Franchement, le fusil à Dasmo, c'est celui que je préfère par rapport au bout. Mon fusil à pompe pour l'instant, je n'ai pas vu un qui soit. C'est flingue, c'est pourtant que je n'ai pas. J'ai jamais rien vu de tel. Un peu agaçant là. On arrose et on les crève. Colère. Ça, j'ai pas vu que c'était un. Ouais, j'ai sorti le peupon, même si ça gâche énormément de munitions. Ça fait le café. Oh là là, c'est barrage de fou. Est-ce que ça fait le thé et le chocolat chaud aussi? Oh, le café, le chocolat chaud, le chocolat frappé aussi. Un fusil, qu'est-ce que c'est que ça? Un fusil iridien encore. Là ici mais il est pourri, 133 de dégâts. Ah mais ça dépend ce que c'est comme arme méridienne. Attends, j'en ai déjà un sur moi là. C'est con que ça s'affiche pas le buff. Exactement le même. Bon. Ah bah il vaut moins alors. Oh oups. Pardon. Une petite collection d'armes méridiennes. Tu veux sauter le sage? Ah, je croyais que t'allais sauter dans le vide. Non, je voyais pas le décor. Que l'escalier donne sur le vide, ce serait horrible. Bah, je voyais pas l'escalier justement, je dis pourquoi tu sautes. Waouh, il y en a des boîtes. Là, il y a une arme que je peux pas ramasser, je suis plein. Oh. Ok, j'arrive. Bah, débarrasse-toi des crottes et je les ramasse. Arme de merde, sur moi. J'arrive. Je suis au-dessus, moi encore. Elle est où ton arme? Là-bas. Ok.
un truc pourri, ok. Oui, c'est un truc pourri. Ouais, parce qu'il m'énerve. Voilà, merci. On peut passer par là. Non, faut descendre par le petit escalier, ouais. Ouais, descendre par le petit escalier. Alors, ma tourelle est censée me donner de la vie, là. Pourquoi tu fais pas le tour? J'ai plus l'enfant. C'est quoi ce niveau à la GoldenEye, le dernier niveau? C'est ça. Ah, tu l'avais fait, le sage. Je me souviens, le sage. Oh, c'est un petit remaster de GoldenEye, là, qu'on puisse y jouer. Alors, ça existe, justement. Il existe un remaster gratuit multijoueur. Basé sur le mode, pas le mode histoire, mais basé sur le mode multijoueur et surtout sur le moteur Source 2007, donc Half-Life 2. J'ai actuellement installé. Et c'est... Oui, il n'y a pas d'histoire. Je voulais faire l'histoire, moi. Ah ben non, il n'y a pas. Il faut prendre l'émulateur N64. Ou la N64 avec je sais pas quel gâteau. Ou... Mais j'ai essayé d'y rejouer là, sur la Switch, là, sur le Super Knight. Hein, ouais. Bah, c'est trop ancien là. Quand on voit la maniabilité des... Pas ça, c'est parce que la manette est pas identique et en fait ils ont paramétré l'émulateur 64 de la Switch pour être joué sur comme un jeu d'aventure. Donc, pour faire un Zelda, pas de problème en 3D, mais par contre tout ce qui est FPS, c'est une horreur. Les commandes sont inversées et tout ça. C'est pas jouable. Enfin, pour moi, c'est pas jouable. Non, c'est bon. Ah mais arrête de courir! Arrête de gigoter! Sacre bleu! Oh, cette insulte. Ramassez tout ce qui traîne, hein, parce que moi je peux plus rien prendre. Ok, d'accord. Pas de soucis. D'accord. Oh, et c'est encore. Quoi, cette boîte n'a pas été ouverte. On a des bonus comme ça. On a des bonus, j'ai pas compris. Tu sais qu'il y a une compétence qui est activée? Moi je pense que c'est la toile du sage qui nous balance les bonus. Oui, je vais te mettre toile ou mes effets devenus normaux. Enfin, bref, je sais pas, c'est cool. Il y en a, il ouvre le coffre et il prend pas la thune. C'est quoi ce bordel? Hop, on ramasse la crotte. Et là, il y a un coffre avec deux pompes dedans. Il y a un méca. Il y a un gros bassou. Oh, quelle horreur. J'attaque pas derrière. Mon dieu, un Dreadnought. C'est Warhammer 40k. Ah ouais. C'est Mercenaries 5. Ouch. C'est quoi ça? C'est un monticule. Toi, viens ici que je mette une claque avant que je sois pas énervé. Avant que j'arrête d'être énervé. Je te mette une claque. Un monticule de déchets. Ah oui, tu as raison, petit Seb. Il y a des petits containers à billets normalement. Ouais, pour les billets, ouais. Qu'est-ce qui est dans notre dos, là? Ma chambre, elle est partie comme un cramé devant. Oui, non, mais là, il y a un coffre avec deux pompes, personne ne les a ramassés. Parce que on tapait les monstres. Bah, disons qu'en fait, on tuait des ennemis, mais il y en avait des nouveaux qui arrivaient, donc on avance, on les tue, ça apparaît, on avance. J'arrive, ouais, c'est pas arrêté, quoi. J'arrive. J'ai reculé. Ah, t'es loin, ok, j'arrive. Non, mais c'est juste là. Non, j'ai reculé parce que je voyais un ennemi sur la carte. C'est juste là, Nainé. J'arrive. Je voyais un ennemi sur la carte, j'ai reculé et rien du tout. Le gros vilain, il lui fasse gober ma roquette. Tiens, mange la roquette. Tiens, ah mange, non, il a bougé. Moi je l'ai eu. Bien joué, c'est... Pourquoi? Ah, faible. C'est le dos, je pense. Attends, je l'attaquais pas derrière. C'est les jointures normalement. Je l'ai quand même. Il a droppé quelque chose? Oh, c'est gémissement. Crie dans les yeux, toi. Oh! Dommage. Super. C'est un peu Noël. Qui raconte le jeu. Là, il y a un bouclier.
merde, j'ai tiré sur ma propre. Et bon, il est mort. Il est mort, le soleil. Oh bah non, on a besoin de lumière, hein. Nous sommes morts, c'est le bordel. Non, c'est le bordel. Prends le véhicule que tu veux, le sage, je t'attends hors du véhicule. Alors, il y a le monstre, il y a le racer. Prends le monstre. Tu veux le monstre ? Je ne reste pas ici plus longtemps. Le monstre, allons-y. Il y a pas de vendeur, là ? Non. Bah, pourquoi il apparaît pas ? Je comprends pas, t'as disparu, il apparaît pas. Bah, t'es passé où, le sage ? T'es loin ? Le sage, il a fait TP au véhicule, je suis sûr. Oui. Bon. Bah, descends du véhicule, Nayone va le faire réapparaître et tu pourras te re-TP au véhicule. Ouais. Si tu trouves un sort de véhicule. Taz vous garantit que vous serez satisfait de la cause de votre mort. C'est garanti sans garantie. Va mourir. Ah bah je suis là. Merde, il est porté aussi, mais c'est pas vrai. Alors que j'ai fait apparaître. Ça n'a pas de sens. Ou alors c'est un bug. Bah. Oh, j'ai fait quoi là? Oh mais merde. Votre famille de choisir un cercueil Atlas. Oh merde. On va détruire le véhicule et puis on va. Est-ce que vous pouvez nous téléporter à un moment donné? Aïe. Ou pas, Tiseb ou Nash? Attends, on finit parce que. Du coup, on va faire autrement. Non, faut que j'avance un peu avant qu'il y en ait un autre qui spawn. J'entendais absolument rien avec le vacarme des explosions. Bah oui. Ouais. Bah en fait, ce qu'on va faire, c'est que nous, on va descendre du véhicule, parce que de toute façon, on est plus ou moins arrivé, et vous TP au véhicule numéro 2. Ok, bah merci. Si, en espérant que ça bug pas à nouveau. Bah là, si ça bug, c'est pas grave. Bah je suis descendu du véhicule. Je suppose que c'est pas une bonne idée si tu vas sur les ennemis. Je suis descendu. Téléportez-vous au siège du véhicule, mais du deuxième. Ah, ok. Alors, je te laisse le faire, le sage, en premier. On peut pas provoquer la destruction de notre véhicule. Non, bah de toute façon, il va faire réapparaître. Tu t'es encastré dans le décor, Nayone. Toi, tu es encastré dans le décor, moi non. Ah, alors c'est buggé. J'ai bugué. Ah oui, bah. Connexion à l'autre perdue. Ok, le jeu buggé. D'accord. Ah ouais, je t'ai fait déco. On est tous les trois, on est tous les trois, tous les quatre sur le jeu, donc je sais pas. C'est buggé. Ah, je crois que Tiseb a un problème parce que son live vient de subitement s'arrêter. Oui. Sa box est initialisée. Attendez, je reviens dans 2 minutes rapides, je vais me rafraîchir très rapidement. J'ai un petit peu soif, je reviens. Je crois qu'on est coupure. Pauvre petit Seb, ah quand la technique s'en mêle. Jeff ? Je suis ici ! Oh non ! Oui, oh, la différence de densité, de température d'une pièce à l'autre. En fait, il fait super chaud dans mon salon.
Oh punaise. Me revoilà, je vous entends. Oui. Oh, il a crash, petit Seb. Oh, pauvre petit Seb. Il doit être en train de pester. Cette chanson qui le fait danser comme des ouf. On a des crédits. Mettre les crédits en attendant. C'est bizarre parce que dans l'interface de la plateforme Steam, je le vois actif petit Seb, c'est bizarre. Peut-être avec le téléphone. Peut-être, ouais, tu as raison. Je vois qu'il est sur le téléphone, sur Discord. En double connexion, ouais. Ouch. Par contre, je sais pas si ça va revenir. Animation. Ah, ils indiquent les points d'animation de l'objet 3D quand il s'agit de claptrap. Eh, c'est malin. Ça en fait des remerciements. Ah, il est mignon le claptrap en mode. Le voilà. Ouais. Tu es revenu, petit Seb? Non. Non, petit Seb est encore fan. Si je ne veux pas revenir, j'abandonne, il a dit. Ah. Bah, au pire, on prendra dans 15 jours parce que vous m'avez dit que. Oui. Bah moi le 6 juillet je peux pas. Je suis d'assemblée générale donc. Ouais bah. Désolé. Non mais y'a pas de. Des obligations. Ouais j'entends bien. Oui bah j'improviserai autre chose moi le samedi prochain. Bon bah on souhaite une bonne soirée à nos téléspectateurs. Une bonne soirée. Une bonne soirée. Bonne nuit Nayone. Oui, bonne année. Bon appétit à notre téléspectateur. Ouais. Nos spectateurs, ben merci hein, d'être venus, d'avoir vu, merci d'avoir joué, merci pour cette coop, Nash, Tisseb et le sage, et on se dit dans 15 jours, c'est ça? Oui. Oui, dans 15 jours. Ah, Rio a une bonne suggestion, tiens, le sage. Quelle est-elle? Ah, je te laisse la découvrir. En direct, en coopération cousin. Ah, pourquoi pas, durant la pause déjeuner, oui, pourquoi pas. Non mais par rapport à samedi prochain. Ah samedi prochain. Enfin, je pense. Hein. Bah si c'est ça, oui ça peut se programmer aussi. Ouais, oui, oui ça peut se programmer aussi. Ouais, faut que je sois certain de. Mais oui, oui, je veux bien cousin. Bon. Voilà. Bon bah merci beaucoup. Ouais, c'est un peu impromptu, mais... Oui, c'est bah, comme moi, comme ça a coupé, hein, deux fois de suite. La dernière fois que j'avais... C'est au bout de 3 heures de jeu, bam, le PC qui s'éteint. Là, ça marche. Mais du coup, il a expliqué ce qui lui est arrivé, petit Seb, il a une... La connexion, je pense que c'est la connexion Internet qui a dû crash. D'accord. Tant que c'est que ça, j'ai envie de dire, et pas l'ordi qui lâche avec la chaleur. Oui, bah oui, oui. Quoi, les bébés de Borderlands? Oh ma zette. On a joué pendant 2h 3 quarts. Waouh, non mais c'est les bébés qui sont nés pendant le développement. Oui, bah oui, non mais ça fait du monde, tu vois, il y a une quinzaine de naissances. C'est beau. Alors, comment as-tu mis les crédits le sage? Dans le menu, dans les bonus, tu vas dans bonus et après t'as crédit dans les choix de bonus. Ah oui, OK. D'accord. Il y en a du monde. J'aime bien mettre en valeur les ceux qui participent à la création de nos joujoux. Ah oui. J'aime bien.
tout le temps, ils me mettent la pub de Pandora Box alors que j'ai acheté. Ouais, mais c'est pareil. Pour faire vendre aux viewers. Pour faire acheter. Pour faire acheter. C'est du marketing. Bon. Bah moi, je vais vous laisser. Ouais, bah bonne soirée. Merci. Bonne soirée, pardon. Bon appétit, Nash. Oh, je vais pas manger tout de suite. Ah, d'accord. Mais bon, bonne continuation à vous. Mickey. Oui. Passez une bonne après. Oh, je vais faire relais de chaîne à... À bientôt. À Mayonnaise. Non, pas de relais de chaîne. Les personnes qui regardent, juste un petit sourire de la part des Royally Cyber. Mais c'est tout. Voilà. Ouais, je mets en lumière Momoka. A plus, tout le monde. Là, je dors debout, là. C'est... A plus, merci, bon week-end. Ouais, salut, bon week-end. Moi, je sais pas, est-ce que je reviens tout à l'heure vers 15h, 16h, je sais pas. Suku, me demandez pas, je sais même pas qu'est-ce que je vais lancer. Ça dépend de mon état physique. Parce que là, je suis dans les vapes, c'est épouvantable. Oui, à plus, merci. Oui, bonne nuit à tous, comme dit Christella, c'est ça. C'est... Non, mais moi, je me demande si je vais pas faire une sieste. Je suis déglingué ou possible. Ah, puis je vais finir d'organiser en famille, moi, pour le demain et les votes. Oh voilà, faut que je m'organise pour la procuration. Une petite bagnole. Hop, GT. Normalement, il faudrait que je m'assure de la recherche de la perche, parce que demain... Théoriquement, s'il fait bon en Lorraine, demain je vous filme une promenade anonymisée. Oui, bonne nuit, oui. Oh, magnifique. Ton tirage. Bonne nuit, Nash. Nayonnais. Alors, je sais pas ce que c'est, mais je vais Alors, regarder sur internet. C'est l'ancêtre de la Nissan GT-R avant qu'il fasse sauter le Thermo Horizon Skyline. C'est une meilleure voiture au monde, bourrée d'électronique. Alors, il y a deux bagnoles qui sont bourrées d'électronique chez les japonaises. T'as la Nissan GT-R, donc a suivi celle-ci, là, la R34 et la R35. Qui a d'ailleurs, à le tableau de bord, deux Gran Turismo, la même interface que le simulateur. J'aime beaucoup l'arrière de la voiture. Mais c'est sur ce genre de voiture, enfin, c'est cette voiture que j'avais terminé la dernière course de Metropolis Street Racer. Mm-hmm. Oui, bah, les plus performantes. L'autre bourrée d'électronique dans les voitures japonaises, c'est la branche de luxe de Toyota qui est Lexus. C'est la célèbre, enfin célèbre, non, elle est pas célèbre, je crois, elle manque de popularité. Elle mériterait d'être plus célèbre que ça. C'est la LFA. La LFA, alors justement, pour être un ordinateur sur roues, ce qui est fou dans ce modèle, c'est que quand vous faites usage de l'assistance à bord, ou du GPS, ou que vous pouvez interroger vocalement, et ben vous saurez que c'est des hôtesses humaines, bien humaines, qui vous répondent. C'est une ligne spéciale Lexus. En fait, quand vous achetez la bagnole, vous payez aussi ce service. Et il y a trois hôtesses par pays, ou du moins par langue, qui se relayent en 3x8, quoi, qui font les 3x8, pour pouvoir répondre aux propriétaires de Lexus à n'importe quel moment sur notre petite planète. Pour vous leur poser des questions. Je me rends à tel endroit, je fais comment, est-ce qu'il y a des embouteillages, des travaux, des contrôles, des blablabla. Et les demoiselles vous répondent. J'avais vu ça dans un des numéros, bah, vous savez, le magazine télé automobile anglais qui est Top Gear. Non, très intéressant. Mais voilà, pour vous dire que Lexus LFA qui est bourré d'électronique. Sur 4 roues, c'est un ordinateur sur roues en fait. Oui. Allez, zou. Zou. Alors, moi je vous dis, j'espère à tout à l'heure, on va dire vers les 15h, je me serai rafraîchi. Cousin, si tu m'écoutes, je sais pas si tu vas toi te faire un direct de 13h à 14h, mais je pourrais t'appuyer en modération. Je m'adresse à mon cousin Rio. Et puis moi je pense que oui, voilà, peut-être vers 15h30, je referai un direct s'il n'y a pas déjà d'orage qui pète sur Nancy, parce que je vous rappelle qu'on est en alerte orange. Ça risque vraiment de tonner, mais non, ça devrait péter grosso modo de 20h à minuit. Donc j'aurais déjà rendu mon antenne, moi. 20h. Bref, voilà, bon week-end tout le monde, bisous.
possiblement ouais, à tout à l'heure. Merci Nayonet. Ciao ciao, bon je week-end. Prie. Et bon week-end. À plus, Mickey. Et moi, je veux faire relais de chaîne à l'adorable Momoka. Dites-moi que Momoka est encore en direct. Ah, mon interface de contrôle, où est-elle? Et peut-être, j'ai bien peut-être qu'elle a peu de chance. Oui, merci, bon appétit, Christella, toi aussi. Peut-être, oui, ok, cousin. Peut-être que je vous reverrai ma frimousse tout à l'heure. J'aurai peut-être le courage de... Merci, Nachelman, à toi aussi, bon app. Le courage de refoutre mon décor et ma webcam, même pour 4 heures de direct. Mais non, là, il faut que je dorme un petit peu, que je me rafraîchisse, que je suis plus frais. Au secours. Alors, relais de chaîne à Momoka, qui est sur Tunic, je crois, Momoka. Momoka tchi, tchi. Momoka tchi, tchi. On va aller dire bonjour à Momoka, qui est adorable, Momoka, mon directeur fidèle de Aerostar. Allez, bisous, à tout à l'heure. Ciao, ciao.